Our first day, ever since that day I've been crazy. I really wonder, are you thinking about me? Take a look into my eyes, tell me what you see inside. Are you thinking about me? Wondering if this is real, tell me how you really. Thank you.
you since the first grade. Back when ponytails were cool. Do you remember your birthday? Meeting up outside of school. What you see inside? Oh, you're thinking about me. Wondering if this is real. Tell me how you really feel, yeah. Tell me how you really feel, yeah. Tell me how you really feel, yeah. Oh, you thinking about me, wondering if this is real. Tell me how you really feel, yeah. You see inside. Oh, you're thinking about me. Wondering if this is real. Tell me how you really feel. Yeah. Oh, you're thinking about me. Et bonjour. Et la webcam marche pas. Attendez. Ah, je l'ai débranché, j'ai pas fait exprès. Putain, merde, 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 merde. Webcam. Voilà. Ah, ça marche. Ah, c'est mieux. Bonjour, bon après-midi tout le monde. Bienvenue sur le dernier stream de la semaine. Clairement. C'est-à-dire de l'année, le dernier stream de ma vie, parce que j'en ai marre. Voilà, je fais plus de vues, c'est horrible. Rendez-vous compte, je stream à des heures où les gens travaillent et ils viennent pas. Non, non, non. Évidemment, dernier stream juste de la semaine et tout, parce que j'ai une journée longue, chiante, j'ai voulu jouer à Ni no Kuni comme d'hab, donc j'ai quand même joué et fait des trucs annexes. Mais le problème, c'est que bah, je peux pas avancer dans l'histoire, vu que j'essaie d'en faire un long play, donc une série complète après sur YouTube, derrière, ce qui me fait penser que... Je sais pas sur ma chaîne secondaire si j'ai mis le dernier let's play. Et salut Dame Guermis, toujours là. Bah t'es presque en retard, hein. T'arrives 9 minutes après le début. C'est enfin. Comment il va? Qu'est-ce que je cherchais moi? Ma chaîne YouTube de VOD. Je voulais regarder si j'ai mis le troisième let's play. Et Coyote, comment ça va? Comment tu vas, Coyote? Bienvenue. Bienvenue, bienvenue, ça fait longtemps, qu'est-ce que ça raconte? Ah, j'aime que le deuxième de mon long play, attendez. Ah, mais quelle honte, mais oui, mais quelle honte. Vous voyez ce que c'est les membres VIP, une fois qu'ils sont VIP, ils s'installent. Voilà. Je venais pas, ouais, alors d'ailleurs, hein, je l'avais dit, dans Ni no Kuni, il y a un personnage qui a un flingue, sauf que ça ne se voit pas du tout. Il n'y a pas de bruit de flingue, on le voit pas de près et tout. Il y a juste des icônes, à un moment, enfin de flingue, un peu genre de vieux flingue, qu'on peut voir quand on récupère de l'équipement, mais c'est tout. Voilà. Au moins, je peux quand même te dire ça avant qu'on démarre. Mais c'est pas, voilà, c'est pas du tout réaliste, c'est très Studio Ghibli et tout. Et à nouveau, vraiment, l'arme, sinon en 3D elle-même, on la voit pas, quoi. On la voit pas du tout. Alors attendez, je vais en profiter pour... vite fait télécharger le troisième long play avant que j'oublie. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas, donc oui, ça j'avais vu. Ouais, ouais. Oui, bah oui, en plus on avait fait The Last of Us, effectivement. Et aussi, j'étais pas chez moi du 5 juillet à il y a 2-3 jours. Bah cool, c'est cool, t'es parti en vacances, t'es... Enfin, j'espère en tout cas que c'était une bonne raison, quoi, que t'étais pas juste mis à la porte. Je vais bien, je n'ai pas tout à fait fini de bosser. Bah écoute, t'es quoi, moi non plus. Tu vois, j'en profite, je me suis servi un verre de vin dans une pinte. Voilà, parce que j'avais envie d'un verre de vin, mais j'ai pas envie d'en faire plein des petits. Donc... Voilà, pour finir la journée. Magnifique pinte d'ailleurs que j'ai récupéré au HD Dinner la dernière fois que je suis allé prendre un verre avec des entre-deux. Mais bah écoutez, cool, moi ça y est, je suis en vacances. Ça a commencé hier en vrai. Et du coup hier j'ai fêté ça. On a bu des coups. Et on n'a pas dormi. Et du coup ouais, donc j'ai eu une nuit très très courte et beaucoup d'alcool. Donc
j'ai mis un peu de temps à m'en remettre, c'est-à-dire la journée. Voilà. Là, ce soir, c'est juste tranquille. Et à partir de lundi, je prends le rythme que j'essaie de m'imposer, un petit rythme de vacances pour arriver à bosser quand même. Bretagne et Lyon, enfin un bled pas loin de Lyon, d'accord, et des passages par Paris chez les amis, car la Bretagne en une fois. Ah oui, d'accord, c'est un peu compliqué là. Bah, c'est cool. C'est cool, qu'est-ce que tu veux, chichi? Bah oui, hein. Tu renifles? T'es réveillé? Et le petit chat qui s'est réveillé à côté de moi. Écoute, en tout cas, bon courage, Dame Garmis, pour la fin du boulot. Et puis, bah écoute, cool que t'aies pu bouger un peu, Coyote. Pendant le mois de juillet. C'est chouette. Moi là, je pense que je vais pas bouger en août. Parce que les finances. Que j'ai une. Voilà. Une petite paye. Quand je dis petite. J'ai une paye plus petite que d'habitude ce mois-ci. Comme je n'ai pas travaillé les dimanches vu que j'étais en vacances principalement. Ni les dimanches, ni les jours fériés. Donc voilà. Mais je pense que je vais tenter de me faire payer des heures sup si je peux. Parce que j'en ai beaucoup. Et là, j'ai des collègues qui l'ont fait, ils ont tapé des petites payes à 2000 euros. Je serais pas contre d'avoir quelques économies. un petit peu envie de se faire des sous là. Je pense que, ouais, en août, je dirais bonjour. Je travaille pas de dimanche. Est-ce que vous pouvez me payer genre 10 heures sup, s'il vous plaît? Ça, voilà, ça me rajoutera des sous. Non, bah écoutez, cool, j'espère que vous pouvez profiter de votre été quand même et tout, voilà. Et que t'as quand même pas trop de boulot, Dame Garmis. Et tu rebouges le mois prochain pour fêter ton anniversaire. Ah bah oui, c'est vrai, c'est... En plus, je crois que tu l'avais enregistré sur le Discord, il me semble, j'ai vu. Si tu l'as fait, le bot te le souhaitera quand même, hein, vu que ça fait partie des rares trucs qui restent en vie sur mon Discord. Vu que le reste, non. Par contre, je vous avoue que j'ai une journée là un peu nulle, parce qu'en fait, là vous le voyez pas, mais du coup, il y a mon portable là qui me sert aussi un peu de retour, des fois pour lire le chat quand j'arrive pas bien à lire OBS sur les deux écrans. Et en fait, ça m'a pété, du coup, ça fait longtemps que je voulais changer de portable. Et donc hier, comme j'avais une heure au boulot à vraiment rien faire, je me suis dit, bah, pourquoi pas regarder ce que me propose mon opérateur. Parce que je suis chez Bouygues, je suis pas insatisfait, donc des fois tu changes et tu as des facilités de paiement et tout. Et donc j'ai commandé un Redmi Note Pro 11 donc de Xiaomi. Et quand tu commandes chez Bouygues, je pense que c'est pareil chez les autres, en fait tu as trois possibilités pour faire pour le recevoir. C'est soit tu le fais livrer chez toi, mais c'est 5 euros de plus. Et donc c'est là genre je le paye le portable 1 euro, mais voilà. C'est là genre si je peux m'épargner 5 euros, je le fais. Parce que j'ai pris une coque RhinoShield et c'est 40 balles la coque, donc ça fait mal. Ou alors, du coup, tu vas en agence Bouygues Télécom sous 2 heures, sauf que moi, j'étais là, genre, bah après, je serai en vacances. Le Bouygues le plus proche de chez moi, il est pas à côté. En vrai, j'aurais dû faire ça, mais voilà. Et donc, je me dis, bah, point relais. Là, j'ai un point relais à 500 mètres de chez moi. Donc, je fais mon petit choix, point relais, jeudi après-midi. Puis là, Bouygues qui me dit, bah, nickel, il arrive vendredi matin. Tu vois, ce qui me va. Bon, après, j'attendrai de recevoir la coque avant de l'utiliser parce que j'ai peur de le péter, comme j'avais fait avec celui que j'ai actuellement, et je pense que ça participe à sa déconnade, le changement d'écran. Et ce matin, je me réveille, et là, je vois, il est... je me rendors un peu, machin, et là, je vois 11h, notification chronopost, désolé, impossible de déposer le truc en point relais. On le dépose dans un autre point relais, on vous tient informé. Bon, ok. Et là, je vois qu'il y a un petit bot qui te dit, ah, est-ce que vous avez besoin d'aide et tout. Donc, dans le doute, je clique dessus. Et là, le bot me dit, ah, en fait, il faut faire une action de votre part pour qu'on puisse reprogrammer une livraison. Donc, appelle le service client, tu vois. Je vois ton message, hein, quoi, j'y réponds après, comme ça, j'ai le temps de finir l'anecdote du jour, tu vois. On commence toujours par une anecdote, ici. Donc, j'appelle le service client. Premier appel, ça raccroche. Bon, ça arrive. Ouais, j'ai été sur des call centers, on sait que ça arrive, faut pas non plus s'énerver sur les gens. Donc, je rappelle, et là, je tombe sur une autre personne qui me dit, non, bah, en fait, c'est une erreur, ce que vous dit le site... C'est vrai, donc en fait, il faut juste attendre que le livreur, dans la journée, le livre à un autre point relais. Donc là, je me dis, bon, au pire, il le livre à l'autre bout de ma ville. C'est pas très grave, j'ai un vélo, il est livré. Je suis en vacances, tu vois, j'ai le temps. Mais j'ai envie de vite finir ça, quoi. J'ai pas envie que ça bouge mon après-midi. Donc je me dis, bon, bah super et tout. Bah, en attendant, je vais jouer un peu, je vais cuisiner, je vais passer le balai, tu vois, tu fais des
truc de vacances, truc d'adulte chiant. Donc j'appelle, il était ouais midi, à peu près midi, midi 30. Ouais, à peu près, ça faisait une heure et demie. Donc la personne me dit, attendez, je suis bon, bah ok, j'attends, j'attends. Et là, je vois les heures qui passent, je me rendors un peu, parce que je suis éclaté, et je vois qu'il est 16h, et pas de nouvelles. On me dit, bon, dans le doute, je vais rappeler. Parce que peut-être que la personne s'est trompée, ou m'a mytho, on sait pas. Et donc j'appelle, je dis, bon, en fait, moi j'aimerais savoir, est-ce que le truc va être livré aujourd'hui? Parce que si c'est pas le cas, en fait, moi, c'est juste que bah, je suis tranquille, tu vois. Enfin, je vais me balader, je vais sortir l'après-midi et tout, parce que je sais que s'il est livré, je vais le récupérer pour pas l'oublier. Et là, personne me dit, ah bah non, 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 si, s'il est pas livré en point relais là, il faut que vous en choisissiez un nouveau, et il vous sera livré le lendemain. Bon, j'aurais préféré qu'on me le dise dès le début, c'est pas très grave. Je fais ok et tout, la personne me dit, bah attendez, j'ai un point relais à côté de chez vous, une boulangerie, demain, vous pouvez y aller, et puis vers midi, vous devriez avoir votre téléphone. Donc moi tout content, je valide ça, l'appel se termine et je vérifie les horaires de la boulangerie. Et je me rends compte qu'elle est fermée le samedi. Donc petite somme, tu vois, tu te dis c'est mon troisième appel à Bouygues. Et là la personne qui m'a trouvé le point relais, je me dis qu'elle doit avoir accès aux horaires, tu vois. J'espère, sinon elle a fait de la merde. Elle m'envoie vers un point relais qui est fermé le samedi, en me disant vous aurez la livraison demain. T'as genre bah non, s'ils sont fermés, ils vont pas pouvoir recevoir. Donc ça reporte à lundi, machin. Donc qu'est-ce que je fais? Bah je rappelle, je tombe sur une autre personne, je lui dis bah en fait moi je veux juste rechanger le point relais. Donc j'ai tenté encore un point relais qui est ouvert demain, et donc si tout va bien demain, j'ai enfin mon nouveau portable qui arrive, et la semaine prochaine je me fais livrer du coup la petite coque. Je suis content, c'est une coque Rhinoshield, mais c'est une coque avec le drapeau LGBT+ derrière. Donc il n'y avait pas grand chose de très intéressant de voilà sur leur site. Enfin il y avait du Snoopy mais ça coûtait genre 40-45 euros plutôt. Donc je me suis dit je vais juste prendre un truc qui me plaît, qui est joli, et voilà. Donc voilà, petite aventure du jour, sachant que bon voilà, demain je vais juste devoir faire un petit aller-retour, je vais configurer le téléphone certainement, et puis après je vais voir une amie. Hop. Alors qu'est-ce qu'elle me dit, quoi, j'ai vu le mot bouffe, donc je sens que ça va appeler à mes instincts primaires. La personne c'est qui, je vais vers Lyon. Ah, et vegan. Du coup, niveau bouffe, c'est pratique. Et elle utilise le bouquin de recettes que je lui avais offert fin 2017. Et bah trop bien. Ma cuisine vegan de tous les jours. Ah oui, 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 je vois. Alors j'ai pas lu, utiliser le bouquin et tout, mais je vois, ça fait partie des bouquins que j'avais hésité à me prendre. Quand j'avais voulu mettre... Alors, je fais pas du vegan, moi je fais du végétarien en vrai. Mais au final, je prends juste des recettes classiques que j'adapte. Mais je fais du végétarien, je fais pas du vegan. Je n'ai pas l'argent pour avoir tous les substituts qu'il me faudrait et tout, donc voilà. Mais c'est cool, je savais pas que t'étais vegan, il me semblait que t'étais végétarien, Coyote. Enfin, après, ça a peut-être changé aussi, ou pas. Je vais pas retenir tout le régime... C'est marrant parce qu'en plus on en parlait au dernier stream un peu avec Dame Garmis justement. Et Dame Garmis, c'est toi je crois qui m'avait dit que t'avais discuté avec des gens qui disaient que manger du poulet c'était végétarien et c'était un truc comme ça. J'ai plus la logique du truc mais c'était un truc comme ça. Ah je suis végétarien, c'est ça. Mais elle est végane, oui donc on bouge le même repas. On bouffe le même repas. Bah franchement c'est cool, écoute, j'espère que ce sera top. Surtout que si elle utilise le livre de cuisine et tout, je suppose que c'est une personne qui aime un minimum cuisiner. Donc alors je vous écoute, en fait je suis en train de faire deux trucs en même temps parce que comme je le disais du coup là le stream c'est un long play Ni No Kuni. Le but c'est de faire l'aventure en entier. Et du coup, je réupload les VOD sur YouTube, mais il faut que je les réupload bien dans l'ordre pour pas trop que ça se mélange. Je n'ai pas envie, quoi. Donc. C'est moi qui avais raconté ça, c'est ça. Ouais, elle cuisine énorme. Bah après, en général, sans méchanceté ou quoi, mais de manière générale, tu sais que si les gens, ils ont des livres de cuisine qu'ils lisent et qu'ils utilisent, bon, en général, c'est qu'ils aiment bien cuisiner, quoi. C'est pas juste par plaisir, voilà.
Titre, description, playlist, langue de la vidéo, utilisation d'extrait, catégorie. Ah, ma chaîne, elle est en people et blog. Avec une petite miniature, numéro 3. Mais c'est cool, je pense que je vais refaire un petit peu des streams cuisine du coup pendant les vacances. Là j'ai testé quelques recettes qui me donnent envie. Donc il y aura soit sûrement vraiment des first try en termes de... En termes de recettes, sûrement des trucs que j'ai découvert et que je veux juste tester et on va essayer ensemble voir si je réussis. Soit des trucs que j'ai déjà fait et que j'aime bien. Peut-être même il y aura des redites de vieilles recettes. Dont une qui est sur la chaîne VOD sur les Onigirazu. Que parce que j'en ai refait au boulot et mon jeune a adoré. Je lui ai fait découvrir un peu ça, il était trop content. Il était genre on pourra en refaire et tout. Il était genre bah pas tout le temps parce que ça prend 4 heures. Donc on peut pas les faire au boulot en permanence. Mais oui, je note qu'un week-end, si t'es là, on se refera ça. La mise en ligne de la vidéo, ouais, dans 3 secondes, c'est mis en ligne et on pourra avancer. J'ai des listes de cuisine, mais je les utilise pas. Alors tu sais, fun fact, ça me fait penser, moi quand j'ai. Emménagé chez moi, dans mon premier appart, hein, je parle donc il y a... Oh la vache, c'était il y a 7 ans, je pense. 6 ou 7 ans, quand j'ai eu mon premier appart, moi j'avais 20... plus, bientôt 10 ans. Bref, une dizaine d'années, j'emménage, et évidemment, moi j'ai jamais vraiment aimé cuisiner, j'ai jamais eu ça et tout, bon, typique des personnes néo-hommes hein, aussi, on connaît. Mais évidemment, t'arrives chez toi, il faut quand même que tu cuisines un minimum. Ça, j'avais déjà conscience que si j'achetais des plats tout près, déjà, j'aimais pas trop. Alors si en plus d'acheter des trucs tout prêts à faire au micro-ondes, ça allait me coûter une blinde. Et j'étais au SMIC. Hein. Donc le SMIC qui était à l'époque, ça n'a pas beaucoup bougé, voilà, 1300 balles par mois, duquel tu enlevais environ 500 euros avec le loyer, l'internet, le portable et tout machin. Donc j'étais là genre bon, il va falloir que je passe au minimum. Donc j'essayais de faire au minimum, tu vois, genre pâte, steak, brocoli. Hein, voilà, on était sur ça, il y a très peu d'épices à part du sel, enfin voilà. Et en fait, ma tante m'avait offert 2 bouquins, alors que je n'ai plus, je crois, aujourd'hui. Peut-être que si je les retrouve, je regarderai, peut-être que je peux les retrouver. Ils sont peut-être quelque part chez moi. Mais je crois que non, j'ai dû m'en débarrasser. C'était, je crois, la cuisine étudiante. Donc c'était plein de petites astuces pour faire des recettes en 5 minutes avec une bouilloire, genre pour faire cuire tes pâtes et tout. C'était des trucs comme ça. Ou le coup de l'œuf dans le café, si vous ne connaissez pas. Voilà, vous prenez votre café le matin. Quand votre café est brûlant, vous prenez un œuf, vous le plongez dans la tasse pendant quelques secondes, vous le ressortez, il est cuit. Parce que le café est très très chaud. Voilà, anecdote à la con. Donc j'avais ça, et j'en avais un autre, c'était je crois repas à moins de 2 euros. Où l'idée c'était qu'en fait t'achetais un gros stock par exemple de pâtes, de sauce tomate et tout. Mais chacun des plats du coup te coûtait au final par personne 2 euros. Ce qui est la moitié de ce que doit coûter un repas classique, à peu près. Et je me rappelle que bah, j'avais essayé de les lire, et en fait bah, à chaque fois j'oubliais d'acheter des ingrédients ou quoi, enfin... J'avais jamais les trucs dans ma cuisine parce que j'étais excessivement désordonné. Aujourd'hui, ça va mieux. J'ai pris le pli, donc j'achète les trucs dont que j'ai l'habitude d'utiliser. Bah, comme pâtes, riz, légumes et tout. Même si je fais pas de liste. Et en fait, j'ai des relus quand j'ai recommencé à cuisiner. Enfin, quand j'ai commencé plutôt vraiment à cuisiner, donc en 2020. Et en fait, je me suis rendu compte que les recettes étaient mais claquées au sol. Mais c'était même pas genre des bons trucs, t'avais une ou deux recettes qui étaient sympas. C'était vraiment des livres que t'achetais à 3 euros, ils avaient pris des recettes marmitons à la con quoi. Et j'étais là genre bah, ça te donnait même pas envie en fait, de, tu vois. Alors, quand on s'est connu était 2017, elle cuisinait pas car là où elle habitait son papy voulait pas qu'elle vienne aux courses. Du coup elle pouvait rien cuisiner, juste manger, oui bah oui. Ou le viandard, ouais. Elle voulait devenir vegan, du coup je l'avais offert le livre, elle était encore omnivore, bah c'est cool. C'est bien, des fois c'est ça aussi, hein. C'est aussi tu peux vouloir devenir vegan mais t'as aucune idée des recettes que tu peux faire. Et quand tu connais pas trop grand chose en équilibre alimentaire, même moi hein, j'ai des connaissances très basiques de, bah voilà, des trucs de la HAS, de la Haute Autorité de la Santé notamment. Voilà, les 5 fruits et légumes par jour et manger pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé et surtout... manger féculents, protéines et légumes à tous les repas, dans l'idée. Ça c'est la base. Après effectivement on peut se permettre, moi je fais des repas où je vais manger que des patates. C'est une petite soirée, j'ai envie de me faire une purée et puis voilà. Mais ouais. Et ça va être compliqué. Je bois pas de café, ça marche avec le thé. Je ne sais pas. Moi je te dirais que oui. Parce que je sais que mon café, moi je le fais à la machine à piston. Donc tu sais c'est le truc, la Bodoum où t'écrases, faut que j'en rachète d'ailleurs. J'irai peut-être en acheter demain.
Il me semble que ça peut marcher. Après, faut juste que, en fait, faut juste que c'est dans un truc ultra bouillant, quoi. Faut que l'eau, elle est à combien? Elle est à, je sais pas. Mais je pense que tu peux essayer, genre, si t'as du thé très chaud, voilà. Un matin, tu te fais ton thé directement dès que t'as, pendant que ça infuse ou quoi, tu mets ton œuf. Tu le mets tout doucement, évidemment, parce que sinon tu vas mettre du blanc d'œuf plein ton thé. Et tu attends un peu, et voilà, c'est vraiment tellement chaud que ça peut suffire à te faire. Et si tu veux te faire du coup, bah, un œuf dur le matin, c'est parfait, quoi. Un œuf bacon avec du bacon végé, par exemple, voilà. Quand la vie vendra son bacon végé, enfin, on sera content, en dehors de, voilà. J'aimerais le retrouver ailleurs que juste chez Burger King. Que ce soit en mai ou la semaine dernière, à chaque fois, elle me toast le meilleur. Oh, c'est mignon. Bah ouais, c'est cool. J'aime bien l'expression, elle me toast. Est-ce qu'on peut pas garder ça? On peut pas garder cette expression? Toastez-vous, les gens. Et oui, du coup, Adam Garmis, donc ouais, j'ai des livres de cuisine, mais je les utilise pas. Oui, non, mais moi, c'était ça. J'en ai eu pas mal. Et pourtant, je m'en étais acheté. Hein. Des fois, je me motivais. J'allais prendre des petits livres d'occasion et tout. Pas les vieux livres de Maïté, parce que Maïté était peut-être une très bonne cuisinière. Mais à un moment, faut pas déconner, Maïté, ça date. Et lâcher 3 bouteilles de vin dans un coq au vin, non. Hein, c'était sympa, Maïté, mais on est sur un régime alimentaire qui doit nous permettre de vivre. Pas de. Voilà. Pas de faire le contraire. Non, c'est. Ouais, non, t'as toujours ça. Mais en fait, c'est ça qui est chiant, parce que du coup, tu peux avoir des livres, et après, tu l'ouvres, et en fait, t'as pas les ingrédients. Du coup, tu refermes le livre, et tu le reprends. Ou alors, tu vois, genre, une heure, tu fais, ah non. Ah non. Mais les tartines, comme tu fais, c'est bien, parce qu'il y a des variations. À chaque fois, je le dis, hein, mais voilà, quand tu... Je sais que t'en fais souvent le soir. Ça, les tartines, les sandwichs, vous imaginez même pas la versatilité que vous avez. Moi, je me suis fait des soirées en été, quand j'avais chaud, j'en avais marre de faire que des salades. Je m'achetais une baguette de pain sur le chemin du retour et je mettais dans ma baguette de pain du beurre, du fromage, de la salade, de la tomate, des fois un œuf dur, du coup que j'avais découpé en lamelles et tout. Et je me faisais juste un sandwich. Et en fait, bah, globalement, ça te fait un repas complet, le sandwich. Pour le soir, c'est parfait. C'est un repas frais, il n'y a pas de cuisson, rien. Bon, sauf pour l'œuf, mais... C'est un Facebook de genre Nurchi de Toast. D'accord. Là, je vais plus sur les Nurchi. Enfin, je vais plus sur Facebook tout court. Ok, je sais pas si ça existait avant. Moi, j'aime bien en tout cas. Je vais essayer de la garder en tête. Les gens postaient leur tête et les gens pouvaient faire que des commentaires positifs. À Carou, j'ai déjà vu du thon végétalien OMG, le délice, mais il n'y en a pas tout le temps. Ouais, moi, je connais ceux de Happyvore que j'ai déjà acheté, mais je suis pas très fan du poisson en général. Donc, mais moi, j'ai fait aussi les poissons panés Happyvore que j'achète à Aujourd'hui Demain, du coup, qui est une des rares boutiques purement vegan que je connais à Paris. Il y a du Happyvore, il y a du Eura, il y a du Beyond, il y a beaucoup de fromages végétaliens, des glaces végétaliennes, Moi j'aime bien leur bœuf séché végétalien. Je ne varie pas beaucoup jambon, fromage, parfois. Bah c'est déjà bien. Enfin c'est une forme de. Tu varies, ouais. Attendez, je suis en train de me demander un truc. J'ai fait des petites courses tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai tout rangé? Non, je crois que j'ai pas pris de fromage, attends. Je suis en train de me dire, parce que j'avais peur en fait d'avoir du fromage là que j'aurais laissé dans mon sac à dos. Ça m'est déjà arrivé et ça a été l'enfer, mais non, parce qu'en plus ça sent pas. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai juste acheté J'ai même pas gardé mon ticket. Juste du vin et des chaussettes Lidl évidemment. Voilà. Ouais, mais tu peux, enfin voilà, jambon, fromage, pâté, fromage. Si tu passes à Lyon, il y a un resto vegan Against the Grain. Ouais, bah Lyon, de toute façon, il faudra que j'y retourne. Lyon, c'est une ville que j'aime beaucoup. Donc écoute, j'y irai. Ah, ma vidéo a été mise en ligne, donc ça, c'est le long play Ni No Kuni. Je vais le renommer numéro 3, ceci dit. Et bon, on va pouvoir partir sur le jeu. Enfin, j'ai fait des petites miniatures, moche, mais j'ai fait des miniatures, alors quand même. Je dois peut-être mettre mon uTip en description aussi, attendez. uTip.io/. Comme ça, il sera référencé. C'est ça, mon uTip, hein. Mais je testerai, en tout cas, je testerai. Lyon, c'est une ville que j'aime beaucoup. Bah, comme je disais, du coup, pour y avoir vécu.
J'ai vécu un an en alternance, je squattais chez des potes pendant que je faisais des études et je bossais dans le sud à Valence. Et ouais, après quand j'avais l'occasion, j'y retournais souvent et là ça fait pas mal d'années que je ne suis pas repassé à Lyon. Et je pense que c'est peut-être un truc que j'hésitais à faire voilà, en août, mais tout est très cher de me dire je fais une journée ou un week-end juste à Lyon. Je vais voir. C'est à nouveau question de dépenses aussi. Je voulais aller à Disney, ça risque d'être compromis. Ça me fait chier. Mais parce que j'ai bien envie d'aller à Disney. Donc bon. C'est gentil, merci. Merci pour le message. Ouais. Mais ouais, Dame Guermis, en vrai, je crois que les tartines, si tu peux faire pas mal de trucs. Après, voilà, tu toastes le pain ou pas, tu le fais. T'as un truc qui se fait pas mal. Si tu le toastes, tu le fais peut-être au grille-pain, mais c'est aussi tu beurres une poêle. Tu prends ta tranche de pain. Et du coup, tu la cuis et mis face contre la poêle dans le beurre. Et du coup, ça la toast et ça la beurre en même temps. Ah. Ah, voilà. Sinon, tu vas sur 5 Minute Craft pour regarder les astuces de cuisine. Vous connaissez ça ou pas, les 5 Minute Craft Cuisine? Parce que si vous connaissez pas, je vous en montre un peu avant qu'on démarre. Là, on va rigoler. On va rigoler. Et là, justement, vous allez vous dire, moi, je cuisine très bien. Attendez, faut que je vous en montre un peu juste avant. Et après, on part sur le jeu, quoi. C'est l'équivalent de... Ah, c'est la chaîne, la DIY Troum Troum. Un peu. 5 Minutes Craft Food. Alors, des fois, il y a des sous-titres anglais et tout. En vrai, il n'y a pas besoin de parler anglais. Les vidéos suffisent elles-mêmes. Souvent, c'est des trucs à peu près OK. Et des fois, t'as vraiment des trucs, mais... C'est les pires. Là, tu sais quoi? Ce qu'on va faire... On va prendre la première vidéo qu'on a. Juste pour regarder. Pour commenter. Vous allez avoir un commentaire d'un professionnel, évidemment, du monde de la cuisine, c'est-à-dire moi, vous le savez. Arrête! Arrête la vidéo, je te pose. Voilà. Hop, transition. Je connais surtout pour les... Ouais, bah oui, bah alors leur bricolage, mon Dieu, mais quelle purge, hein. Là, il y a de quoi faire des best of Twitch avec une vidéo 5 minutes craft. Hein. On peut faire 20 000 TikTok. Il y a Camille et Justine, ouais sûrement, ou Hardisk, ouais, Henri il a dû en parler je pense aussi. Ouais. Et en parlant de TikTok, hein, n'hésitez pas, si vous avez des moments qui vous plaisent dans le stream, à le clipper, puisque du coup j'en fais des TikTok après, même si le TikTok est pas très actif, et ça donne des trucs rigolos. Last of Us, on avait quand même bien rigolé. Bah, du coup, on va pas les voir, ceux-là, Coyote, parce que flingue et tout, mais voilà. Bon, là j'ai pris le premier, vraiment, c'est Tasty Food Hacks. Genius ways to cook food. Donc des façons de cuisiner incroyables. Incroyable, je vous dis. Hardisk et Grasso, ouais, qu'on fait des vidéos. Oui, ça j'avais vu. Ouais. Ça je me rappelle. Mais là, il y avait des trucs. C'était pas. Je crois que c'était pas 5 Minutes Craft, mais oui. Mais il y avait des trucs pas trop cons dans ce qu'ils ont fait. Et c'est un format que j'aimerais bien faire. En vrai, le React, c'est très con, mais j'aimerais, sauf que bah faut avoir des gens dans le chat, quoi. Là, j'en profite, on teste. Bon, on va tenter. On a une petite vidéo de 15 minutes. Vous voyez, comme ça, on se met en jambe. Parce qu'il est que 17h au final. Et on va rire. Et on va rire. Alors, du coup, si je tourne la tête, évidemment, ça fait bizarre. Parce qu'en plus, surtout, Coyote, ça fait longtemps que t'es pas venu. Hein. Depuis un mois à peu près, j'ai deux écrans. Donc là, j'ai mon bel écran OBS. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va plutôt faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va mettre OBS ici et la vidéo en face. Comme ça, je regarde la vidéo. Voilà. Non, après, tu peux avoir des vrais hacks. Là, la vidéo, en vrai, celle-là, je ne la connais pas. Donc, il y aura peut-être des trucs vrais. Peut-être des trucs complètement éclatés au sol. Mais voilà. Allez, vous savez quoi? C'est parti. Vous me dites hein, si le son, à un moment, est trop fort ou quoi. On y va. Eh ben écoute, Jet, tu veux bien éliminer 3 os... Mais j'ai déjà fait ça. Mais j'ai déjà... Ah, elle va rejoindre mon village. D'accord. Eh ben c'est parti. On va aller par là. Alors moi, je vais bien... Se passe bien mon stream et j'ai avancé doucement l'histoire du jeu
Assassin's Creed Valhalla. Depuis 2 jours, je ponçais des zones et c'est très long. Tout à l'heure, je vais continuer. Ah oui. Ah oui, ça, c'est ce que j'aime pas du tout dans les Assassin's Creed. C'est le côté zone par zone, là. Je trouve ça pas très intéressant parce que ça se répète beaucoup. Mais écoute, courage. Oui, après, toi, tu fais les trophées platine, donc c'est autre chose. C'est différent. Moi, je sais que je les fais pas, donc... voilà. Et sinon, du coup, tu ne connais pas ce jeu. Alors, Ni no Kuni, qu'est-ce que c'est ce jeu? Tu connais peut-être... Alors, je pense que les sous-titres vont pas l'avoir, donc je l'écris. Tu connais peut-être les studios Ghibli, qui ont fait des films comme Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke. C'est 2 que j'ai là en tête qui sont connus. Ça s'écrit comme ça, Ghibli. En fait, ils ont travaillé sur ce jeu pour faire l'animation et tout. Et là, on est sur un jeu de type jeu de rôle, donc RPG. Ah, faut aller là. De type RPG, assez long. On est sur environ, je pense, 60 à 80 heures de jeu. Où là, en gros, on contrôle un petit roi qui s'appelle Evan, qui est le petit personnage avec la cape, qui a été rejoint par Roland. Roland, il vient de chez nous. Roland, c'était un président chez nous. Voilà. C'était un président chez nous qui s'est retrouvé dans le monde d'Evan et le royaume d'Evan a subi un coup d'état. Du coup, il essaye de reconstruire son royaume et tout, et il y a un grand méchant, évidemment, qui essaye de prendre le pouvoir, donc il faut qu'on s'en débarrasse. Avec des jeux, donc un système, les combats qui sont un peu comme, si tu connais les jeux Tales of Vesperia, Tales of Symphonia, etc. Le dernier jeu que j'ai joué, c'est Genshin. Alors, c'est quand même différent de Genshin, parce que Genshin, c'est aussi un jeu en ligne, en partie, avec un free-to-play. Donc, c'est un peu différent. Mais oui, après, là, on est typiquement sur ce qu'on appelle un JRPG. Donc, on met le J avant pour dire Japon. Un RPG typiquement japonais. C'est des jeux plutôt comme Persona justement, ou donc Tales of Vesperia, Tales of Symphonia, Tales of tout ce qu'on veut, parce qu'il y en a eu beaucoup. Avec ouais des combats voilà où on bah là sur la carte du monde on touche un ennemi et ça nous met dans une arène, et dans d'autres zones plus petites du coup on peut lancer les combats directement. Voilà. Avec des équipements dans tous les sens, des possibilités, on a des petits bonhommes qui nous aident. Quoi. Je pourrais pas expliquer en détail parce que déjà les sous-titres vont pas suivre. Et puis c'est très très long et très chiant. Et je pense que le jeu est plus sympa à regarder du coup. Voilà. Si on connaît pas. Parce qu'il est quand même très joli, hein. Enfin, si tu regardes les personnages. Attends. Le détail. Là, ils sont très très bien animés, très jolis, très bien dessinés. On est sur des jeux de qualité. Et il y a le premier Ni no Kuni qui était sorti sur PS3 il y a... ah, attends, est-ce que j'ai son truc à elle? Ok. Qui était sorti sur PS3 il y a des années. Où moi, j'ai encore la boîte de la collector, qui est très jolie. Je peux te montrer après, si tu veux, le contenu de la collector. Et du coup, ça, c'est pas la suite, mais c'est la même... le même style. Même énergie. Voilà. Mais c'est un jeu ouais, où il faut beaucoup beaucoup d'investissement. Et je pense que là, le platine, il est pas facile à... il est moins facile à avoir. Allez, super, elle est dans mon royaume. Tu veux le sort-pont? Ok. Oh, faut qu'on aille faire des recherches.
Oh, on n'a pas fini. Oh, ça va être très long. Alors, et en fait, il y a plein de trucs différents aussi. C'est clair, on a toute l'histoire, mais on a aussi, bah, il le dit, tu vas aller voir très vite. On a un royaume qu'on a construit qui s'appelle Espérance. Et il y a un petit peu de gestion. Alors, c'est très simple, hein, par contre. Mais moi, j'aime bien. Voilà, avec de la construction de bâtiments. En fait, ça, c'est mon royaume, tu vois. Avec mon château à moi, mes bâtiments que j'ai construits. Donc là, j'ai construit tous les bâtiments pour l'instant. Et les gens que j'ai recrutés, que j'ai pu mettre dedans. Pour récupérer des matériaux, faire des recherches. Et là, normalement, je dois aller ici pour assigner Jetlan. C'est pas ça. C'est là. Je me suis trompé d'endroit. Assigner donc Jetlan. Voilà. Et lancer une recherche. Qui me permet du coup de développer. Voilà. Là, je dois avoir le sort pont. Donc là, je dois juste attendre une minute que ça se remplisse. Pour avoir le sort. Donc en attendant, je vais récupérer de l'argent. Des matériaux. Voilà. Et je peux me balader après si je veux. Pour aller acheter. Là, j'ai un truc pour améliorer mes armes. On va regarder d'ailleurs. Pendant que. Ah non, c'est pas ça que je voulais. Améliorer. La cape pour machin. On va lui donner un point de magie en plus. On peut encore l'améliorer. On va lui donner plus de protection voilà, physique. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses à faire. C'est pas une obligation le royaume pour tout. Bon là si pour la quête, mais c'est assez intéressant. Et on peut parler aux gens. Et là par exemple, bah lui voilà. Il me donne, voilà. Des fois, il donne des objets. Donc, ça vaut le coup de leur parler. Voilà. C'est pas souvent des objets rares, mais ça vaut le coup. Voilà. Mais c'est un jeu... Là, je l'ai acheté d'occasion. Je l'ai payé 17 €. Parce qu'il est sorti il y a longtemps. Et je l'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup trop ce jeu. J'étais en train de... Tu vois, pour te dire, avant, je jouais à un autre jeu qui s'appelle Prey. Prey. Je te mets le nom dans le chat si les sous-titres ne suivent pas. Et j'ai fait une pause exprès dans Prey pour pouvoir jouer à Ni no Kuni. Alors, là, on va d'ailleurs aussi... Non. On va... est-ce qu'on peut cuisiner des mousses? On va cuisiner Santa, ça coûte rien. Ça, c'est des alliés en combat, avec des compétences différentes. Mais si on les cuisine, c'est qu'on peut les ajouter après dans l'équipe. Sous le vent. Et on peut leur donner des matériaux pour qu'ils deviennent plus forts. Donc moi, je vais améliorer. Alors, j'aimerais voir, du coup... Santa incite les autres à se préparer, diminue la défense d'un ennemi, augmente la résistance... Ok. On va améliorer Santa. On va lui donner du cordon. Voilà. Comme ça, il passe. Niveau 2. On va lui donner tout notre blé. Ah, ça sert à rien, d'accord. Et la corde. Ah, ça sert à rien, du coup. Ok, on va s'arrêter là. Et on va le mettre dans l'équipe, du coup. Équipe. On va mettre du coup Santa le généreux à la place de lui. Voilà. Et mais le jeu a l'air un peu compliqué peut-être comme ça, mais en vrai il l'est pas du tout. Il est vraiment très simple à comprendre. Il t'explique tout petit à petit, mais pas tout dans la tête d'un coup. Comme font par exemple peut-être les Assassin's Creed justement. Non mais je me moque, mais voilà. Alors, il faut qu'on aille voir Irma. Je vais en profiter pour... Est-ce qu'on peut lancer une autre recherche ?
Recueil de sorts. Ah bah on va en profiter. On va apprendre de nouveau ça. Ouais. Et cette recherche me prend combien de temps? Très longtemps. Ok. Est-ce qu'on peut lancer des recherches ailleurs? Avant de... Est-ce que là je peux lancer une recherche? Je peux pas. Ah, il me manque des gens. Hein. Est-ce que là je peux accélérer la recherche? Voilà. Comme ça elle est finie. Les recherches. Et voilà. Et comme ça je vais aller plus vite. C'est très bien. Je vais marcher plus vite. Objet détruit. Ok. Plus de matériaux. On va faire ça. Voilà. Et on va retourner. On va faire un voyage rapide. Hein, désolé, mais on va retourner. Ah! On va aller au Marais Zen. Pour. Tiens, d'ailleurs, Lightning, j'aurais une question pour toi. Alors, tu me dis hein, si les sous-titres marchent pas bien, je la mettrai dans le chat. J'ai une question, c'est vraiment une question de curiosité. Donc, tu n'es pas du tout obligé de répondre. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai vu, il n'y a pas longtemps, sur ta chaîne, je voulais m'abonner ou donner des faire un don. Et j'ai vu que tu n'étais pas affilié. Est-ce que c'est... Comment ça se fait? Parce qu'il me semble que tu as tout ce qu'il faut pour être affilié. Est-ce que c'est... Si tu veux pas répondre, il n'y a pas de souci. Hein, je... Mais ouais, je... J'étais juste curieux. Je me suis dit, tiens, vu que tu streams beaucoup... Comme des fois j'ai voilà un peu de bits à donner et tout, je passe sur des chaînes et c'est par hasard quoi, mais j'en donne, voilà. Ou je m'abonne pour soutenir. J'espère surtout que les sous-titres ont suivi pour ma question. Alors, attends, c'est là-bas. On va aller là-bas, d'accord. Hop, hop. Un rondin de bois. Ah, je vais quand même récupérer des objets aussi avec eux, là. C'est pas les niveaux, là, qui m'intéressent, c'est juste le... Ah! Voilà. Ah, il y a lui. Voilà. Ta 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 ta. Comme ça, on récupère des objets. D'ailleurs, on va même aller sur l'égaliseur. Et... argent ou équipement. On va faire A, équipement, du coup. Voilà. Ah bah on a un coffre là. Ah il y en a un autre là que j'avais pas vu. Tant pis. Une paire de souliers. Je viens à peine de voir que tu parles pour moi. Oui. Oui oui c'est ça. Oui en fait c'est ça. Je me posais la question de... Pourquoi... Pourquoi tu n'es pas affilié? Parce que récemment... je passe des fois sur Twitch et je passe sur tes lives. Et j'avais de l'argent à donner et je m'étais dit bah pourquoi pas. Et j'ai vu que je pouvais pas. Et que tu n'étais pas affilié. Et dans ma tête, tu l'étais. Pour moi, tu l'étais. Donc est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est un choix? Est-ce que si tu veux pas répondre, comme je dis, hein, si tu n'as pas envie de répondre. 75. Ah non, non, ça c'est le c'est pour être partenaire. Moi, je l'ai pas non plus. Affilié, c'est en dessous de partenaire. Oui.
Pour être affilié, il faut une moyenne de 3 viewers. Parce que sinon, moi non plus, hein. Regarde, moi, tu peux, si tu veux, tu peux t'abonner et envoyer des bits, pour envoyer de l'argent. Mais j'ai pas les 75. Tu le vois, hein. Là, on est, voilà, 4. Bon. Oula, non. Pas encore. Ah, un objet. Donc, non, non, tu peux... Il me semble qu'en plus, tu as les... Alors, bah peut-être qu'après, c'est autre chose. Parce que, alors, pour être affilié... Pour être affilié, c'est... Tu sais quoi, je vais te dire tout de suite. Comme ça, j'ai les bonnes infos. C'est... succès. Donc, voix du partenaire, voix de l'affilié. Il faut 50 followers. Mais je crois que tu les as. Je vérifie, mais ça, c'est bon. Tu as les 50, il me semble. Oui, c'est bon. Il faut faire un total de 8 heures de stream sur les 30 derniers jours. Mais ça, je crois que tu les fais aussi sans problème. Il faut faire 7 jours de stream différents et une moyenne à chaque fois de 3 spectateurs. Tu sais quoi, regarde, je vais te faire même une capture d'écran. Je t'envoie le... Bah attends, même on va faire plus simple. Pour te montrer pendant... Ouais, non, si, je vais faire... oui, je vais te montrer, attends. Parenthèse très courte, mais si on va là, regarde. Il faut juste que tu fasses ça. Tu vois? Donc vérifie dans ton tableau de bord. Si tu dépasses, c'est bon. Puisque c'est 8 heures, enfin, c'est 8 heures au total, mais si c'est 10 heures, ça marche. Mais voilà. Si tu respectes ça, tu as droit du coup à l'affiliation. C'est à tout est à chaque fois, c'est toujours sur une période de 30 jours. Donc il regarde si sur les 30 derniers jours, tu as fait ça. Si tu as tout respecté, quand tu iras dans, tu sais, le tableau de bord et tout, ouais, ah bah c'est que tu l'as eu, bah c'est bon. Bah du coup, il faut aller dans ton tableau de bord Twitch, dans succès. Et en fait, là où moi, c'est validé, toi, en fait, ça te dira devenir affilié. Et t'as quelques formulaires à remplir et tout, et après, c'est bon, tu débloques l'affiliation. Ouais, si t'avais reçu le mail, c'est que c'est bon. C'est qu'il faut juste que toi, derrière, tu valides, parce que c'est pas obligatoire. Enfin, c'est pas automatique, pardon. Bah, du coup, voilà, au final... ouais, c'est des formulaires un peu chiants. Des formulaires fiscaux... voilà. Oh, je peux pas sauter là. T'es de ma gueule. C'est des formulaires fiscaux, c'est un peu chiant et tout, mais ça te permet après de... Voilà. De l'avoir. Bah de rien, du coup, bah je suis content d'avoir posé la question, parce que au final, c'était juste que, ouais, tu savais pas. Et, bah du coup, c'est sûr que si tu sais pas, oui... Alors, pour les sous-titres, ça, c'est autre chose. Alors, malheureusement, toi, tu streams depuis ta PS4, donc il y a, à ma connaissance, il n'y a pas de solution pour l'instant pour ça. Mais je disais, quand je parlais des sous-titres, je disais, j'espère que mes sous-titres comprendront bien ce que je demande, voilà. Mais ouais, non, malheureusement, depuis la PS4, on ne peut pas. Il faut que tu fasses comme moi et que tu aies une carte d'acquisition et un ordinateur avec un logiciel pour le stream qui te permette de faire ça. Donc, si jamais tu veux, moi j'ai des recommandations, hein, si tu veux te mettre à streamer depuis l'ordi. Mais enfin! Voilà. Mais ça, non.
Ça, pas. J'ai regardé récemment en plus et non, il n'y a pas. Malheureusement, il n'y a pas. C'est un peu dommage. Mais normalement, d'ici un an ou deux, je sais que Twitch avait dit qu'il souhaitait avoir un système de sous-titrage automatique pour tous les streams. Donc peut-être que pour les gens comme toi qui stream, qui font des lives depuis la PS4, ça fonctionnera. Les gens pourront activer des sous-titres si besoin. Du moment que toi, après, tu as un micro, faut aussi que tu parles. C'est sûr que si. Voilà. Donc si tu n'as pas envie tu ne souhaites pas parler, les sous-titres marcheront pas. Mais ça, je pense que tu le sais déjà. Tu t'apprends pas grand-chose. Oh là! Non mais après tu sais, enfin, on t'inquiète pas, hein. Il n'y a pas de. C'est pas une critique, au contraire, hein. Les sous-titres, c'est. Voilà. C'est pour les gens qui veulent, peuvent, peu importe, voilà. Qui parlent. Tu veux pas parler, dire que t'es. Enfin. Tu parles pas. Moi j'avais connu à une époque, j'ai perdu sa chaîne malheureusement. Mais une personne qui faisait des streams qui était muette, enfin, mutique, on dit mutique je crois. Donc elle entendait, mais elle ne parlait pas. Et pour communiquer avec les gens, elle avait acheté un petit boîtier, un stream deck, tu sais, où tu appuies sur les boutons, et ça permet de jouer des sons. Et elle avait plein de sons pour communiquer un peu des émotions, etc. Et c'était très sympa à voir. Ça, j'avais bien aimé cette idée de voilà, je ne peux pas parler, mais voilà, si j'appuie sur le bouton, ça va rigoler, ça va pleurer, ça va voilà. Après, c'est très spécifique et le tonique végétal, très bien. C'est possible. C'est moins précis que quand on parle, c'est sûr, mais ça permet de communiquer du coup avec avec le chat. Bah de rien, écoute, j'espère que ça marchera. N'hésite pas si jamais tu as un souci ou quoi, tu m'envoies un message sur Discord ou. Oui, oh mais moi aussi, hein. Enfin, moi, je cherche pas à vivre de Twitch ou quoi. C'est juste que si je peux streamer et de temps en temps avoir un peu de d'argent qui tombe, moi, je suis payé tous les 6 mois, hein, par Twitch. Donc, c'est pas énorme. On peut, hein, voilà. On peut très bien faire ça et se dire, voilà, si les gens ne veulent pas payer, bah, ils payent pas et c'est pas grave. S'ils payent, bah, ils nous donnent un peu de sous, ça fait de l'argent de poche. Tu vois, c'est. Moi, je préfère le voir comme ça. Hein. Ce serait trop compliqué de vivre de Twitch. J'ai pas envie. J'aurais pas envie. Si je faisais que Twitch, je serais déjà à la rue. Voilà. Je serais déjà à la rue depuis longtemps. C'est surtout que Twitch ne te paye que quand tu atteins les 100 $ au total. Donc il faut cumuler sur plusieurs mois généralement, voilà, des abonnements, des cheers, enfin des bits du coup, qui font à la fin 100 $ pour qu'ils t'envoient l'argent. C'est. Bon, bientôt ce sera 50 $, donc ça va. Mais voilà, c'est sûr que si c'est sur une chaîne où il n'y a que une ou deux personnes qui offrent, enfin qui s'abonnent tous les mois, ce qui est un peu mon cas, hein. Tu vois, il y a 3 abonnés, tu le vois là-haut. 3 abonnés, bah c'est pas énorme. C'est 6 $ par mois, quoi.
Mais non, mais ça sert à rien là que je passe. Bah oui. Donc voilà. Mais bon, bah écoute, j'espère que, ouais, que ça t'a été. Que ça t'a été utile et que bah, tu regarderas. Et puis, évidemment, hein, tu fais ton choix. Hein. Il y a beaucoup de gens qui choisissent de ne pas être affiliés. Parce que quand tu es affilié, s'il y a un truc qui est bien. Sans parler, sans parler d'argent. Il y a un truc qui est très bien. C'est qu'en fait, quand tu fais des lives, par exemple, plus tard, donc quand il y a beaucoup de gens qui streament, tu as accès tu as accès à des encodages différents. Donc l'encodage, c'est la qualité de la vidéo. C'est-à-dire que en général, là aujourd'hui, si toi tu fais un stream à 20h, il y a des chances qu'il soit en qualité maximale et que les gens ne puissent pas changer la qualité s'ils ont des problèmes de connexion. Parce que tu n'es pas affilié, donc tu n'es pas prioritaire pour Twitch. Après toi, il y a des gens comme moi, les affiliés. Donc les affiliés, on est un peu plus prioritaire, on a un peu plus de chances que les gens puissent changer la qualité du stream. Donc c'est pratique pour les gens qui ont des petites connexions, qui sont sur leur portable. Et enfin, tu as les partenaires qui, eux, sont toujours prioritaires. Et c'est vrai que l'affiliation, ça peut être bien pour ça aussi. Si t'as souvent des gens qui te disent « ça rame chez moi » et tout, comme en plus t'as pas trop de contrôle depuis la PS4, l'affiliation fera que t'auras plus de chances que tes vidéos soient, que tes lives soient visionnés plus facilement. Une baguette modeste de sort. Bah attends, on va regarder tout ça là. Ah oui, bah en fait j'avais une bien meilleure baguette de... Oh mon dieu, non, c'est pas ça. Ah, dégâts à l'arc, c'est pour elle. Voilà. Donc voilà, c'est des, bon, c'est des détails et tout, mais c'est... Twitch préfère, quoi, quand on est affilié. Tu reviens, pas de soucis en tout cas, à tout. On va revenir sur le jeu, du coup. Pardon, je parlais beaucoup avec, avec Lightning. Que j'aime bien parler avec les gens qui viennent souvent sur la chaîne. Ah! Mais du coup, on en est à la mission de madame, de mamie Irma. Mamie Irma, du coup, qui nous a demandé d'aller battre une salamandragon. Qui se situe, je sais même pas où d'ailleurs, j'ai pas trop fait gaffe. Là-bas. Ah, attendez, on a un bonhomme là-bas. Qu'est-ce qu'il fait, ce bonhomme? C'est qui? Il était pas là quand on est venu la première fois. D'accord. Peut-être une quête annexe plus tard. En attendant. Je pense qu'on va arriver à battre... J'espère juste qu'on va... Ouais, mais j'espère. J'espère, surtout. On va arriver à battre le... Le dragon vite. Parce que j'ai pas envie de faire des recherches très très longues sur des sorts spéciaux contre le dragon. Moi j'ai juste envie que mon royaume devienne plus puissant. J'ai absolument pas compris l'intérêt, voilà, le délire du jeu. Alors toi là. Voilà. Je pense que les mousses, par contre, je les ai. C'est bon. Allez. Hop. Voilà. Hop.
Alors. Ah, c'est là. Oh non, il faut qu'on ait un sort d'eau pour rallumer le... Oh non. Ah non, non, non. Une régénération. Il va falloir aller faire des recherches. Ah bah si, on a le sérum. C'est bon. Ouf. On a le sérum de mamie. Voilà, le tonique végétal. Ah, je pensais que ça allait être un bonus pour nous. Très bien. Chandi! Ah, purée, il va falloir faire ça au moins 20 fois, non? Non, ça va. Deux fois. Je viens d'accéder au formulaire. Ah! Alors je pourrais peut-être pas t'aider pendant le live, mais c'est cool. J'ai pas confiance. Après, si tu veux en parler, bah dis-moi, t'as pas confiance. C'est quoi qui te... Après, sinon, si tu veux en parler plus en privé, il me semble hein, que tu as mon Discord. Tu es sur le Discord de Mélanie aussi, donc tu peux m'envoyer une demande, un message, et je répondrai après le live ou plus tard. Ou sur Twitter, si tu as mon Twitter aussi. Voilà. Si jamais tu as des questions, en tout cas, je pourrais peut-être répondre un peu à tout ça. Alors, en attendant, on va se faire le boss. Parce que là, je vais être un peu concentré. Ah oui, d'accord. Mais non, il... Oh la vache. Voilà. Donc ouais, n'hésite pas. Oh là là. J'ai un souci d'accès. Ouais, tu me diras. Sinon, j'ai Twitter, j'ai Instagram aussi. Tu as le lien de mon Instagram dans la bio si tu veux. Si tu veux m'envoyer un message, tu peux. Allez, bam! Ça va aller en fait, il est pas très dur le boss là. D'accord, bon bah du coup ce sera voilà, ce sera de Discord. Ou même sur Twitch, hein, tu peux m'envoyer un message. Il y a le chat de Twitch, tu peux m'envoyer. Je crois que tu peux. Il me semble que c'est ouvert. Ben voilà, on a battu le dragon. Il n'y avait pas eu besoin de faire des recherches compliquées.
Enfin, c'était... Ouais, ça va, c'est pas non plus comme certains boss que j'ai eu, les ennemis là maléfiques qui sont super durs. Alors, on va récupérer le mousse, si on peut. Un ingrédient multicolore dont chaque couleur a un goût différent. On va essayer le sanglonglon, mais j'ai pas l'impression. Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Un ingrédient multicolore dont chaque couleur a un goût différent. On va essayer celui-là, mais je crois pas non plus. Je pense qu'il faudra trop revenir plus tard. Non. Bon, eh ben on reviendra plus tard parce qu'on n'a pas l'objet qu'il faut. Ok, du coup on a tué la maman là qui gardait ses œufs. On a laissé des enfants orphelins. Super. Génial. Ça me va. Et on va retourner voir Irma. Non. On va retourner voir Irma. Ouh la vache. J'avais peur qu'elle soit un peu longue cette quête, mais j'ai l'impression que ça va. C'est pas... C'est pas trop horrible. Alors... On a déjà fait les deux objets sur les trois. Qu'elle veut faire avec tout ça par contre? Alors, qu'est-ce que c'est la dernière requête? Ok. Faut aller faire une bataille militaire? Ah, il va falloir aller recruter des escadrons. Ok. On a quelqu'un du coup qui peut rejoindre notre armée. Ça c'est cool. Parce que je pouvais pas faire les batailles à cause de mes escadrons. Oui, c'est un autre truc du jeu du coup qu'on n'a pas vu encore là pendant ce live, mais on peut faire des batailles militaires. Et pour l'instant, je n'ai que deux escadrons dans mon armée. Alors que je peux en avoir quatre max. Et c'est super dur parce qu'il y a plein de... Bah quasiment toutes les missions, je peux pas les faire parce que je n'ai que deux escadrons. Assez faibles en plus au lieu de quatre. Donc ah, c'est pas là. Ah, je me suis perdu. Je vais récupérer des objets. Cordon blanc, très bien ça, ce sera pour les mousses. Ah oui, il est là. Et je vais aussi, pareil, récupérer l'objet là. Il dérape, dérape. Ah, il dérape. Ah, il y a un objet là. Des florins, très bien. J'ai plus vraiment besoin d'argent là. Mais... Il est là-bas. Ah, il a faim. Un livre. Ah, oh, faut que j'aille jusqu'à. Ok. Eh ben allez, c'est parti. On va retourner au royaume, préparer une recette avec Hercule. Oui, oui, bah oui. Bah oui, on n'a pas le choix. Hein. On va juste se balader pour récupérer
Oh, c'est que de l'argent qui traîne. Là aussi? Ah, laine de bravoure. Alors, on va retourner à Espérance et demander à notre copain. À notre copain le chat. On aimerait toujours faire un. Ah, alors ça, les, ce qu'on appelle un overlay. Bah déjà, il faut que tu streams, faut que tu fasses tes lives depuis un ordi. Sinon, ça ne. Ouais, je vois. Ça, c'est depuis un ordinateur. Ça ne marche pas depuis la PlayStation 4. Oh la vache! Pour ça, il y a plein de. Il y a plein de possibilités. Y en a qui le font sous Photoshop. J'ai des amis qui ont dessiné, scanné et mis des images comme ça sur leur ordinateur. Il y en a qui l'ont fait sous des logiciels donc, ouais, comme Photoshop. Moi, je l'ai fait avec... parce que je sais pas me servir de Photoshop. Je l'ai fait avec After Effects, qui est un logiciel d'effets spéciaux. Qui m'a permis de tout animer. C'est comme ça que j'ai tous mes trucs animés. Mais il faut... Il faut savoir s'en servir. Il faut un bon PC. Alors, ça dépend. Tu veux streamer. Est-ce que tu veux jouer avec ton PC et streamer en même temps? Ou ou est-ce que tu veux... est-ce que tu veux capturer ton jeu de PS4 sur le PC et l'envoyer? Ça, c'est autre chose. Allez, bam, boule de feu niveau 3. Moi, j'ai un PC moyen qui m'a coûté 500 euros. Je peux streamer certains jeux avec. Des petits jeux. Voilà. Capturer un jeu PS4, t'as pas besoin d'un très bon PC. Quand c'est capturer un jeu, voilà, enfin PS4, Switch ou autre... C'est pas très compliqué. T'as pas besoin d'un très bon PC, mais il faut pas un PC basique. Parce que ça va ramer un peu. Parce que le fait de faire un live, ça consomme beaucoup. Par contre, en plus, il te faudra une carte d'acquisition. Donc c'est un truc où tu branches ta console dessus et ensuite c'est branché à ton ordi et à la télé, quoi. Et une carte d'acquisition, la moins chère que je connais coûte 50 euros. Elle est pas nulle, mais il y a un petit délai entre le moment où tu appuies sur tes boutons et où ça. Où ça réagit dans le jeu. C'est très léger, hein, c'est moins d'une seconde, hein, mais voilà. Et. On a, sinon tu as, bah, comme moi j'ai, c'est une vieille carte, mais cette carte-là, elle coûtait à l'époque, aujourd'hui une carte comme ça, ça coûte 100 euros. Voilà. Donc c'est un petit budget de faire un stream comme je fais. Après, par contre, si tu veux un décor de stream, quand tu as une fois que tu auras un PC, il y en a beaucoup des gratuits hein, qui existent sur plein de sites spécialisés dans le streaming. Tu peux très bien commencer avec ça. Moi, celui que j'ai, je l'ai fait. C'est mon décor à moi que j'ai fait tout seul. Il y a un peu moins d'un an. Mais sinon, oui, tu peux... Voilà. Tu peux en acheter. C'est un peu générique. Ils se ressemblent un peu beaucoup. Mais au moins, ils sont, on va dire, sympas. Un peu jolis. Et tu peux compter 20 ou 30 euros pour avoir voilà, le décor, les petites alertes quand les gens s'abonnent et suivent et tout.
Je vais récupérer un petit câble là. Mais oui, non, faire des streams, ça coûte des sous. Ça coûte de l'argent. Si on n'a pas le matériel de base, ça demande un petit peu d'argent. Malheureusement. Allez, on va aller recruter des gens. Ah, cool. Ok. Ah non non, mais faire des streams, c'est ouais, c'est. Bah depuis que j'ai commencé, si on compte tout l'argent que j'ai gagné avec Twitch en un an et demi, j'ai pas encore remboursé l'argent que j'ai dépensé pour faire Twitch. Je dois avoir une carte d'acquisition pour capturer mon jeu, tout à fait. Et pour faire un décor, je veux, c'est ça. Comme je veux, bah tu peux en avoir des gratuits. Voilà. Après, c'est juste que les gratuits, bah ils sont très basiques et beaucoup de gens les ont. Mais tu auras le décor comme j'ai, ouais. On appelle un overlay. Après, tu peux, ouais, et tu peux en acheter sur des sites spécialisés qui existent. Ouais, oui, après c'est pas grave. Oui, mais voilà, c'est à. Il faut le. Je pense que c'est bien à savoir quand même, voilà. De dire, parce que moi j'ai déjà vu des gens acheter des overlays et dire derrière, mais tout le monde a le même. Et tu leur dis, bah oui, mais parce que justement, voilà, s'il est gratuit, si tu débutes, bah c'est sûr que tout le monde va commencer par les gratuits. Ils étaient pas déçus, mais un peu, quoi. Et tu leur dis, bah oui, mais... Oh, purée, faut aller tuer des hamsters. Bon, bah, on va tuer des hamsters. Ouais. Très bien. Très bon objectif. Mais c'est vrai qu'après, passer par un PC, ça te donne beaucoup, beaucoup plus de possibilités, quoi. Tu peux mettre un objectif de followers, un objectif d'abonnement. Tu choisis exactement où tu places tout précisément, voilà, tes alertes, tes animations, etc. Enfin, c'est sûr que c'est beaucoup plus personnalisable que... Et t'as Twitch maintenant d'ailleurs qui propose des goals justement de follow par exemple, où tu peux mettre ton propre goal et tu l'affiches en stream. C'est vrai que je le fais plus, ça, le goal de follower, puisque j'ai pas de nouveaux followers. Oula, par contre, attends, j'ai l'impression que ça rame un peu. On va juste activer et activer. Voilà, faire ça. Allez, on va faire les hamsters machin, là. Allez, j'espère qu'il y en a 3 dans le groupe. Mais c'est cool, ce serait cool de te voir, ouais, de te voir stream. Alors, eh ben c'est bon, on a eu les 3 mystères. Voilà. La quête est finie. Parapapam. On a fini la quête. Voilà, voilà. Non. Ah merde, non. Hamster Excus fou. Ça passe, ça. Oh, je pensais que j'avais fini. Je vais devoir faire plein de combats contre des ennemis très nuls. Voilà. Parapapam. Ça m'aurait bien aidé. Ah bah oui, oui. Monde à l'envers. Ah bah oui, bien sûr, ouais. Ah non, bah oui, Twitch, ça, on s'en rend pas compte, hein, mais c'est... Si tu mets pas un peu d'argent pour faire tes streams, il y a peu de chances que t'atteignes certains objectifs et tout, hein. Le minimum maintenant
Mais je vois, ouais. Mais le minimum pour arriver à faire des streams aujourd'hui coûte déjà, voilà, 500, 600 € d'investissement. Si on part de rien comme moi, ou de presque rien, il faut avoir de l'argent à mettre dedans. Et on sait généralement d'ailleurs que c'est de l'argent un peu perdu, oui, perdu quoi. Parce qu'on se remboursera probablement jamais. Moi, en vrai, je l'ai acheté juste parce que j'avais besoin d'un nouvel ordinateur. Donc ça m'arrangeait, ça passait bien. Et ah, c'est là où. J'avais besoin d'un nouvel ordinateur, donc c'était parfait. Et parce que bah, c'était dans mon budget. Mais ouais, ça pique un peu, quoi. Ça fait un peu mal au porte-monnaie. 1 caillou, mais j'en ai marre moi d'avoir des cailloux. Je veux des objets bien. Oh, encore un caillou. Alors, ok. On a gagné un escadron, donc ça c'est très bien. Maintenant, on va retourner. Mais attends, je vais vérifier un truc là. Devant le Feng Chien. Et oui, Twitch est un monde très cruel. Par là. Alors du coup, on en était nous à aller chercher donc notre général des armées. Ah ben c'est lui. Ah ben je l'ai vu. J'ai une requête. Pourrais-tu m'apporter? Bah j'en ai ça. Ça va, j'en ai un. Voilà, j'en avais un. J'avais un objet. Elle fait des chutes de tension. Mon Dieu, mais on a des soldats qui sont. On a un soldat à la retraite, un soldat qui n'a pas de bras. Retournons voir Madame Irma. Attends. Ah, on est vraiment sur un royaume de bras cassés, hein, pour parler vulgairement. De la crème fouettée par terre. Délicieux. Allez, Irma, c'est bon. Ok, eh ben écoutez, allez, hein. On va les attaquer et on va prendre les livres. Et je sais même pas pourquoi en plus on doit prendre les livres. J'ai pas écouté cette partie-là. Allez, ouf. On va aller au marais du coup. Marée zen. Et on va se déplacer pour faire la bagarre. Je vais rester encore un petit peu. Après, je vais. Pas de soucis, c'est très gentil en tout cas. Content que ça puisse te plaire. Enfin, j'espère que ça. Oh, j'espère que le jeu te plaît. C'est là-bas. Mais je laisserai en lurk. Ça, c'est très gentil aussi. Ça, je le fais souvent quand je vais sur Twitch, que je vois. Ben, c'est ce que j'ai fait cet après-midi hein, chez toi. J'ai vu ton live, mais je j'étais pas assez en forme pour parler. Du coup, je suis resté en lurk parce que c'est toujours sympa de laisser une petite vue. Allez, c'est parti. Il faut sauver le soldat Ryan. Il me plaît bien le jeu. Bon, bah tant mieux. Moi, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Hein. Faudra que je fasse des pauses et que je me force. Bonus, plus de puissance.
stimulation, plus de difficultés. Non, bah non. On peut commencer comme ça. Alors, on a nos petits escadrons. C'est parti. Pa-padam. Allez! Allez, c'est long là. Allez, on y va là. Allez. Alors, certains escadrons ont des techniques consistant à se déplacer, d'accord? Elles reviendront vers vous après un certain temps. Ok. Ok, d'accord. Voilà. Pam, pam, padam. Allez, moi j'aime bien casser ça, voilà. Voilà. C'était pour le plaisir de casser des trucs. The Last of Us, oui, oh oui, je l'ai terminé il y a 2 semaines environ. Mais j'ai pas trop aimé, pour le coup. J'ai pas très fan du jeu, ouais. Mais ouais, je l'ai fini. Alors, il est possible de reconstruire les tourelles et tout pour les inclure. Ok. D'accord. Il faut que j'aille ici, du coup. Ah, ok. Et donc là. Bon, on va les laisser mourir. Hein. Voilà. Je vais attendre hein, qu'ils arrivent, non? Pourquoi pas? Allez, bam, bam, bam. Très bien. Lol, bah oui. Ouais, bah oui, je fais des TikTok des fois avec mes clips de... Allez, paf, paf, paf. Et ils sont forts hein, quand même, dit. Attends, mais on va mourir en fait. Ah oui, mais on va. On a perdu quoi. Canon détruit, on récupère des trucs. Ça, on récupère aussi. Là, on a un ennemi qui s'est perdu. Ah oui, ça fait de l'expérience. Donc, si, on va quand même taper les bases. Et on va aller là-bas. Ah, ça me donne de la puissance. Mais est-ce que si je détruis ça, ça me donne aussi de la puissance? Non. Ah
Voilà. On a gagné. Et c'est fini. C'est fini, c'est la victoire. Merci. Bon après c'était comme c'était, j'ai cru perdre, mais je me dis comme c'est une mission de l'histoire, normalement on n'est pas censé perdre à ce niveau-là. Allez. Vous recevez des champignons. D'accord. Très bien. La 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 la. Les musiques sont très 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 belles aussi. Hein. Comme toujours. J'aime beaucoup les musiques de ce jeu. Et je commence à avoir faim, mon dieu. Et 19h, bon ça va. 19h et ça fait 2h20 de jeu déjà. 2h20 de jeu. Ouais, mais je verrai si j'ai envie de manger tôt ou pas. Allez, c'est bon. Ok. Elle peut nous faire la carte du coup. Oh. J'étais sûr que ça, c'était sûr que ça allait être un truc comme ça. C'est très très bien les rouges à lèvres, mais oula, attendez. J'ai un problème de pantalon. Voilà, c'est bon. Juste qui s'est un peu trop serré. Et ben voilà, il nous a fait son joli rouge à lèvres, on va pouvoir lire des livres. Et très joli, hein, par contre. Très très beau. Je vais jouer, merci pour tout. Merci à toi, bon stream à toi aussi, du coup. Youhou. Oh. Ah bah super. Ok, donc là on va devoir fouiller des livres. Ah, il y a une cinématique. D'ailleurs, je fais une petite pause. Ok. Oh bon, on va quand même faire les recherches. Mais car oui, on va, je sais pas. Ok. Ça parle des différents. Je franchement, je lis pas parce que là, j'ai pas envie. J'ai pas envie de lire. Et ça nous parle des différents royaumes et tout. Donc... Non. Pardon, je me gratte le nez en plein stream, c'est dégueulasse. Ah. Voilà, ça nous parle de Gamblor. Ah. Le Bennett Man. Allez, ouf! On va retourner au royaume et avec un peu de chance, on va pouvoir passer le royaume niveau 2. All right. Oh.
Oui, si on était tous copains, il n'y aurait plus de guerre, c'est bien vrai ça. Ah, Donovan, est-ce que c'est pas mon copain? Le roi Donovan. King Donovan, évidemment. Alors. Alors on va continuer. Donc là on va faire juste un mini break, histoire que je me dégourdisse les jambes. On va juste passer, voilà. C'est ça. Voilà. Ok, et donc là on peut aller à la salle du trône pour discuter de la prochaine étape. Donc c'est ce qu'on va faire. Mais avant de discuter, du coup, ouais, on va faire le break. C'est l'heure du break. D'ailleurs, par curiosité, est-ce qu'on a atteint presque. On a presque atteint le montant nécessaire là pour upgrade notre château. Donc là, là la recherche est finie. Ok. Je peux monter de niveau déjà? Ah oui, non, mais ça coûte super cher. On va pas faire de recherche pour l'instant. Puisque on a surtout besoin. On a surtout besoin, voilà, d'un peu plus de bénéfices. Ah, je veux juste upgrade le château là. J'ai reçu un mail trop bien, mais non, c'est pas du tout ce que je voulais. Et voilà, c'est bon. Donc là on peut upgrade le château et on fait la pause. Allez, je vais pas la repousser non plus à chaque petite étape. Montée de niveau. Ah non, me faut quoi sans ça, hein. Alors royaume niveau 2. Bah il est niveau 2 mon royaume. Non? Comment ça? Comment ça, il est pas niveau 2? C'est où que je le vois, ça, le... apprendre à améliorer des sorts. Contrôler, non, ça c'est option, machin. Bah. La main d'œuvre s'améliore de manière automatique. On va juste. Voilà, hop. Ok. Merde. Bah, du coup, on va. Est-ce qu'il faut que tout soit au niveau 2 du coup? Parce que genre ça, je peux le monter de niveau aussi. Bah on va y aller. Hein. On va monter de niveau tout ce qu'on peut, on a de l'argent. Ah non, bah non, il me faudrait quelqu'un. Je peux pas. C'est l'argent qui manque. C'est l'argent. Ok, ok. Bon. Donc voilà. Petit break. Et je reviens du coup, dans quelques minutes.
in circles just to wind up at your door. If it's crazy, I don't mind. Never been so lost and never been so sure. Couldn't help it if I tried. Oh, I know we've been singing this a thousand times, but this time, maybe we can really get it right. We could be lovers, we could be friends, we could start all over again. I don't really care if nobody else likes it. I don't really care if nobody else likes it. It's with the highs and every low. I'd rather die than be alone. I don't really care if nobody else likes it. I don't really care if nobody else likes it. You call.
is run out, can't turn it around. You're stuck in a storm that won't let up. Got so many doubts, no faith to be found. Been telling yourself you ain't enough. I know you're walking through the world alone, trying to see the light with your eyes closed. When life is left you standing in the cold, I promise you forever I will hold. When life is left you standing in the cold, I promise you forever I will hold your frozen heart. Written in the stars, I'll show you the way to fight off the pain. I'll give you the strength to show your scars. I know you're walking through the world alone, trying to see the light with your eyes closed. When life has left you standing in the cold, I promise you forever I will hold. Whoa, 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 whoa. Voilà. Ce petit bruit là, ce petit bruit de digestion rapide. Vous avez entendu qui était adorable évidemment. Le... Non, juste j'ai grignoté un petit bout histoire de tenir une petite heure de plus. Je suis en train de regarder mon compteur. Voilà. Voilà, voilà. De toute façon, je me dis que si j'arrête maintenant, en fait, je, comme je suis pas fatigué, que j'ai pas grand chose à faire là ce soir, je me dis autant gaming, autant gaming, autant gaming, évidemment, autant faire du gaming. Et peut-être si vraiment le jeu me saoule, passer sur le sous-titrage de la vidéo d'Emmanuel. Let's begin, shall we? I've gathered you all here to speak about our nation's banner.
Evan proposes that we create a country without war. Et pour ça, on va faire la guerre. We'll need to sign a treaty with the other major nations of the world. We propose to call this treaty the Declaration of Interdependence. La déclaration d'interdépendance qui a été traduite en français par le traité de Donovan. Alors je vais pas chier hein, sur le job des traducteurs, mais... Ouh, de l'argent. Mais ouais, bon. Ok. Récupérer un centime, je vais pouvoir aller l'utiliser dans ma petite machine à pièces. Ah, regardez, j'ai plein d'argent, c'est quand même fou ça. Si on enlève ma clé là, j'ai 5 dollars australiens, très utile. Et je dois avoir au moins 2 euros là. Bientôt, je vais pouvoir me payer un cadre pour mon magnifique poster en fond. We can't worry about that right now. All we can do... You're really thinking of doing this? What do you mean? Sure, this plan of yours is a noble one, and a fine banner for an up-and-coming kingdom to unite under. But you're about as likely to get all the nations of the world... Oui, bah on peut essayer, ça va. As I am to grow a third blast in length. On peut essayer, Doran. We can't do this. Pas obligé de, d'être désagréable. Says the man who just strolled in from who knows where. Don't need me putting these daft ideas in their heads. Bah, ceci étant, and what would you know about running a country, ceci, huh? Ceci étant, il a pas tort non plus, Doran. Stop it. Puis genre, le mec était président. Pire connard du monde. Il était... Non. To all these places and met all these people. I don't just want to do it for Nella. I want to do it for myself. For all of us. I really do want to make a world where everyone can be happy. I don't care if... That's right. Of course, it w... Mais si ça l'est, ça marche pas, voilà. Ch- ça marche pas, ça marche pas. I'll need all of your help to do it. Être orienté mon petit ventilateur sur, sur l'ordi. Ça aidera vaguement. I'm with you, your majesty. Come what may. Better start with an easy one, Burster. I reckon Goldpaw signed up and... Yeah, provided Pugnacious isn't the grudge-bearing type. Good. Then it's decided. We will unify the world. Just okay. As... Yeah! Ah oui. Et on va faire une petite sauvegarde parce qu'il y a de la sauvegarde automatique, je m'en suis rendu compte, mais on n'a pas vraiment sauvegardé et tout depuis, depuis qu'on a lancé le stream, non? Ouais, c'est ça, donc oui. Alors je vais regarder par curiosité, est-ce qu'on peut encore améliorer des bâtiments? Est-ce qu'on a de la thune, quoi? Paf. Allez, on devrait pouvoir faire monter de niveau quelques bâtiments. Prendre quelques matériaux en plus. Merde, mince, 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 mince. Crotte, crotte, crotte. Euh... 4000, d'accord. Là, mon royaume, j'ai aucune idée de... Je vois pas du tout. Ah, c'est... je vois pas du tout écrit le niveau du royaume.
4000, ok. Non, ok, je peux pas. Je peux pas. Là, je l'ai fait. Là. Mais il n'y a rien que je peux monter de niveau là, c'est pas possible. C'est combien? C'est combien pour... C'est 4000 à chaque fois. Pour tout. Bon bah. Ah, il montait de niveau lui, c'est en plus, c'est ça, c'est qu'il y a des conditions. Et royaume, royaume niveau 2 ou plus, je comprends pas du tout. Là j'ai l'influence qu'il me faut. Plus de 20. Ah, condition de montée de niveau. Plus de 10 bâtiments construits et du coup plus de 25 personnes recrutées. Oula, oui, bon, on va pas le monter de niveau tout de suite. Oulala, là là, non, hein. Oulala. Là là. Oulala, là là là. Ah non, putain, attends, pardon. Ça m'a mis Roland. Non, je veux pas Roland en leader. Je veux Evan en leader. Bah c'est parti. Il me semble en plus que d'ailleurs dans le premier Ni no Kuni on avait à un moment un bateau volant pour se déplacer. Est-ce que monter vient le chat? Et je me dis ça me paraîtrait pas déconnant qu'on a un truc similaire là vu certains endroits. Ouais. Ouais, on va récupérer encore des items. Toujours. Doucement le chat par contre. Fais pas trop tes griffes STP. Voilà. Padapapam. Putain, j'ai un peu envie de me tenter le gars là, mais je sens que pareil, il va être trop encore trop juste trop costaud pour moi. Ce sera plus tard. Ce sera plus tard, on va aller battre l'ostoplasme. Est-ce que c'est vraiment intéressant en termes de gains d'expérience? Sachant que j'ai surtout demandé, je crois, des équipements, là. Bon, qu'en vrai, je peux revendre, mais... Allez, fais pas chier. Voilà. Voilà. Le petit prisme. On a obtenu des petits prismes, comme dans le conte de Saint-Exupéry. Vous connaissez? On ne voit bien « You can see only good with the cœur, because the essential is invisible for les yeux. » I am English speaker, of course. Il y a des trucs à faire là, attends, il y a un temple là-haut. Attends, on découvre des choses là sur le chemin. Hop là, toujours. On n'oublie pas évidemment de récupérer tous les items qui traînent parce que on en a besoin. Mais non, mais il y a un machin là, il y a les ruines de la Siofra d'Elden Ring là-haut. Comment j'ai pu rater ça quand je... Peut-être parce que les ennemis me couraient après aussi et me collaient au cul, donc j'avais pas envie de faire un gros détour. J'avoue que j'ai commencé à avoir atteint le stade où je pas non plus faire des détours. Le sanctuaire forestier. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On y va, attendez. Non mais ça doit être un truc de quête ou quoi? C'est pas de l'annexe.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Oh la vache! Ils sont niveau combien là? 20... Ah mais 27, ça va. Watch your back. Oui, non, ouais, ouais, si, en fait, si, si, voilà. C'est pas du tout forestier, tout ça, je trouve, moi. Comme, c'est pas Maxime, quoi. Ah, mais quand même, il douille si je fais la magie. Hop là. Et on a un item très rare. Un collier talisman 4 quand même. Voilà. Ah, il en reste un. Bah. Oui, bon. Je pourrais pas me faire l'intégralité du sanctuaire, mais... bah d'ailleurs, qui est... Ah mais oui, il va y avoir une quête secondaire ici. Ah non, mais je pense quand même. Mais il y a quelque chose là-bas. Moi, bon, je vais y aller. Je vais aller voir. En plus, j'ai pris un niveau. Et ils sont. Oh non, mais en fait, ils sont au même niveau que moi. J'ai paniqué là pour rien. Par contre. Le collier talisman 4, là, il fait quoi? Résistance magique, coffre obtenu des ennemis. Et bon, on va faire ça. On va revenir. Non, pas sur les escadrons, mais sur l'égaliseur. Ici, expérience ou argent. Donc là, on va garder l'expérience. Expérience ou rareté, argent ou équipement. Et on va... Ouais. Non, sur en fait, cette configuration, elle est bien. J'ai un peu d'expérience, des équipements cool. Ah oui, je suis ressorti, d'accord. Attendez. Déjà, voilà. Attends, j'ai raté un truc. Je vais regarder. Ah bah oui, j'ai raté un truc. Faut aller là-bas. J'ai juste la flemme de refaire ce combat-là. Ok, donc là on a quelques ennemis, mais qui sont pas non plus... qui sont pas imbattables quoi. Et hop là, bam. Ouais non, ça va, ça franchement ça leur fait pas mal de dégâts en termes de... Mais arrête de faire la toupie toi là. Allez bam. Ouais non, c'est ça, je lui enlève plus de la moitié de sa vie donc... Voilà. Faut juste que je fasse gaffe à pas trop me faire taper, mais ça va pas. Et que j'utilise bien les mousses. Voilà. Merde, je croyais qu'il était derrière moi lui. Allez, un petit canon les garçons. Je crois que voilà. Voilà. Eh par contre lui il est. Ouais. Il a explosé, non? Voilà. Tu peux pas me taper, j'étais en train d'utiliser les mousses. Calmez-vous quoi. Ah et ben je suis obligé de les relancer du coup.
Allez, c'est parti pour la grosse magie qui fait mal. Voilà. Très bien. On est très très bien sorti. Il n'y a pas eu de mort presque. Par contre, en fait, on gagne pas tant d'expérience que ça, donc genre c'est pas non plus dingue en termes de farm ou que sais-je. Ah mais attends. Là c'est un cul de sac, donc si c'est un ass of bag, voilà, c'est que il y a. Alors de là il y a un coffre, mais il y a ça là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Le fantôme pour garder. Ok. Je pense que je reviendrai plus tard, sûrement. J'ai envie d'explorer là, c'est cool, on change, on respecte pas l'histoire, je sais, mais. Ah non, par contre, il y a encore un ogre. Ah non, 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 non. Et donc là on est où là? Ah oui, en plus c'est vraiment la salle de la fin et tout, donc on va ressortir du coup, parce qu'on va pas prendre des risques insensés. Pas prendre de risques insensés à ça, et puis on va aller jusqu'à Gamblour. Ah. Oh, faut que j'aille chercher mon portable, mettre tout sur mes genoux, mon bébé, toi, tu sais ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, bébé chat? Déboudé. Alors, il est là-bas, du coup, le Manitoutou. Il a pas été viré, lui? Ah d'accord. Très bien. Moi je suis pour la réembauche et l'acceptation de ces erreurs. Manitoutou, on a une propale. Greetings. Oui, bah, on a compris, on a compris, on a compris. Excusez mon impolitesse, alors pour là il lui a envoyé un tacle là. Goodness. Oh my. Indeed. Bah vas-y. Je veux que ce soit Boudet qui décide du. Oh, flipping heck. Oh. Eh bien écoutez, on va croiser les doigts. Lady Luck, we ask you to guide us in the matter of this union. Ça manquait, papa. An odd number will show us that you deem it wise. Sinon, c'est la guerre. Oh non, putain, il refuse. Hey. Mais quel enfer. Ah. You honor me. Non, tu t'es fait chier à aller là, en sachant que de toute façon, s'il n'était pas d'accord, toi tu allais le signer. Et on se retape le trajet, bah super. C'est vraiment de la cinématique pour la cinématique. Oui, bah j'étais d'accord avec ce que vous dites, mais vous connaissez un petit peu les us et coutumes, quoi. Nous on aime bien aider, quoi.
contre, il faut quand même que j'aille récupérer mon portable. Un bateau. Qui pourrait nous filer un bateau en échange de plein de missions annexes à faire? Bah allez hein. Eh ben écoutez, on va aller à Nautilia. Ouais, on a le temps. En plus, en fait, c'est vraiment tôt. Hein. Je pense que ouais, je vais me garder ma soirée pour moi. Set out to secure another, the maritime realm of Hydropolis. The Declaration of Interdependence, eh? Very impressive. Yes, I have Roland to thank for that. Don't forget your own role in all this. Pugnacious signed the agreement because of you, because he trusts you. I suppose. By the way, are there any girls you like? What? What? Where did that come from? Oh, girls or boys, interested. Hein? Écoutez, Evan, il peut aimer qui il veut. I like everyone, all of my subjects. Just something to bear in mind. See you soon. Oh, goodbye. Voilà. Mon petit chat, je t'aime bien, mais voilà, il faut que tu descendes et que tu fasses gaffe quand tu descends. Alors, voulez-vous sauvegarder? Je prends juste mon portable. Deux secondes. Attends deux. M'a écrit d'accord, très bien. Voilà, paf. Par contre, je viens de réaliser que vraiment j'ai fait que des lives jeux vidéo cette semaine et vraiment j'ai l'impression d'être un de ces streamers nuls qui font que ça de leur journée, qui font que du jeu vidéo, c'est chiant. Alors par contre vraiment la trad, tu me zappes des infos là. Il a parlé d'Hydropolis, c'est totalement Nautilia où on doit aller. On va le retrouver là-bas. Il a envie d'aller récupérer la... Chapter 5, the sea queen's... Le machin là. Le démon, le monstre là de Nautilia. On va pas juste avoir un bateau. Après, ils ont sûrement pas reçu les textes comme il fallait, c'est un gros jeu. Voilà. Oi. Un très gros bateau. Un canoë. Un canoë. Est-ce que on peut récupérer des trucs, s'upgrade, machin et tout? Déjà ça. Hein?
Elle, elle a fini sa recherche. Ouais, terminé. Voilà. Ça me coûtera moins cher. 1350. C'est les filles. Ah, il me manque des gens, d'accord. Ok. Très bien. Donc là, on a dit il lui faut un royaume niveau 2 pour gagner un niveau. Elle, 4000 PO pour prendre un niveau. Est-ce que eux, ils peuvent refaire des recherches? 150. Alors, plus de matériaux récup ou alors rareté des trésors. Voilà. Voilà. Merde, c'est pas là que je voulais aller. C'est pas grave. Hop là, et puis on va sortir. Vraiment, l'augmentation de la vitesse en mode voyage, je la sens pas tant que ça au final. Mais pas. Alors, il faut aller là-bas. Ouais, c'est. Si, ça existe, quoi. Elle est là, elle est présente, mais. Autant qu'un père dans la vie de ses enfants, quoi. Enfin. On a le temps de faire ça, de retourner 2-3 fois au royaume, je suppose, de refaire des recherches et tout. La 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 la. Ah mais, il y a un truc là, il y a une grotte là. Mais je crois que j'y ai été là. La forêt aux mousses, oui, oui, oui. Attends. J'ai un doute, est-ce que j'ai été dans la forêt aux mousses? On va regarder très vite, hein. Si on a la map, c'est que oui. Et que j'ai une très mauvaise mémoire si on n'a pas la map. Attends, mais comment ça? Il y a des petits mousses là. Des petits mousses partout. Regardez, moi j'ai des mousses aussi avec moi. Bonsoir, bonjour, bonjour les mousses. Salut les mousses. Là, il y a des ennemis nuls. Mais on va... Pareil. Ouais. On va juste se contenter de récupérer quelques items, comme toujours. Et puis, ouais, on a vraiment des trucs de merde. 7 florins. Je sais même pas à combien de florins je suis. 12 000. En même temps, j'achète jamais rien. Donc, Voilà. 1, 2, 3. 1, 2... Voilà. Voilà. Allez, vraiment pour le plaisir. Voilà. Et c'est bon. Des épis de blé, ouais, ouh, putain, trop bien. Et j'ai un chemin en face. Ça, ah, il y a plein de petites... Ah, il y a des personnages aussi, j'ai l'impression. Et des gens à qui parler, bon, qui vont pas donner de quête ou quoi, mais le mérite d'exister. Et il s'excite là, le petit mousse là-haut, et à fond. Ok. Bon. Non, je vais pas faire de combat, regarde. Même si je les touche. Du coup, c'est bon à savoir en vrai. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, Elio, là? Il nous file un coup de main? Ok, il y a un coffre.
Là, on a du blé clochette. Ouais. Non, mais y a rien. Mais j'ai l'impression que, ouais, du coup, vers l'entrée là-bas. Ok. On va tout remonter. Tranquille. Ça concourt vite aussi. Hein. Ah ouais, on va remonter un petit peu ça, puis après on va aller à Nautilia. Je pense que par contre, j'atteindrai pas l'étape où on va avoir le bateau. J'essaye aussi de faire durer, histoire qu'il n'y ait pas non plus un milliard de vidéos sur Ni no Kuni 2, parce que long play, certes, mais on n'est pas là pour faire une heure à chaque fois, quoi. C'est un gros mousse? Attends, déjà, je vais valider ça. C'est un mec déguisé en mousse? C'est un fan de mousse? Tu m'en donnes 10 d'un coup. Bah attends, on va lui offrir des bonbons. Ah, je peux lui mettre que 10 par 10. Ah la vache, ça va être long. Ça va être très long. Il m'offre du coup un bonbon à la menthe. Okay. Ouais. How are you? Ah oui, on va lui offrir tous les cailloux qu'on a. Hein. Si on lui dit tu es un mousse, qu'est-ce qu'il dit? D'accord. How are you? Un peu flippant quoi. Alors, on a récupéré un troisième bonbon. À quoi ils servent d'ailleurs ces bonbons? Est-ce que c'est pour les mousses? Est-ce que c'est pour nous? Inventaire. Bonbon à la pêche renforçant légèrement. Ah, d'accord. Défense, ouais. Bon, c'est pas nul quoi. Juste. Ouais. On va pas lui donner 20 000 bonbecs. On s'en fout. Ça me servira peut-être sur un boss une fois. On va le faire une dernière fois. Allez, on prend un dernier bonbon. Vraiment les cailloux, j'ai que ça. J'en ai une centaine. On peut le voir normalement dans les dans encyclopédie. On a les statistiques et je sais que je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, cailloux ramassés 72. Donc j'aurai droit à 7 bonbons. C'est marrant que j'ai complètement raté ça, quoi, du coup. Hein. J'ai raté énormément de trucs, en fait, hein, en faisant du fast travel, quand je repasse pas par les zones que je connaissais. Après, peut-être que j'y reviendrai pour des quêtes et tout, hein, comme d'hab, mais... Ah, tu vois, j'ai raté un coffre, quoi. Du coup, le coffre est peut-être peu intéressant, mais... ouais, un encens magique, ok. Alors, du coup... Sur la carte, on doit aller tout là-bas. Bon, ouais, non, si, quand même. Quand même, gars. Bah là, je vais prendre l'objet. Ouh, le monstre. Un haricube. Un petit cube. Un gros cube. C'est l'heure de Zaricube. Alors, est-ce que je suis trop fort pour lui aussi? Non, ça c'est bien. Hop. On va l'attaquer. Parce qu'il faut qu'on devienne trop fort pour les monstres de cette zone. Here goes nothing. Voilà.
Swing, swing, swing. Ah. Voilà. Ah, t'es trop nul. Badabadam. Alors, on continue. Oh, bon, on a des hamster trucs là. Ça, cet ennemi, je pense qu'ils l'ont recyclé déjà beaucoup trop. Cette attaque, je la recycle beaucoup trop aussi, mais j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Ouais, bah. Hop là. Aïe. Qu'est-ce qu'on a là? Une paire de bottes à clous anti-flammes. Super. C'est vraiment Borderlands hein, en termes de loot ce truc. Hein. Je suis sûr que la moitié du loot est générée de manière aléatoire. Badadadam. Du coup. Allez, 24 florins. Et même des monstres dans l'eau. Bah, c'est quand même là que tu vois que du coup ça spoil un peu, mais si tu vois des trucs se balader dans l'eau. C'est un peu évident, je trouve, que du coup tu vas prendre le bateau, quoi. Pour moi, ils auraient peut-être pas dû les mettre, ça aurait été une surprise un peu sympa, genre on sait pas et tout. Collier anti-goutte. Eh, si vous voulez pas avoir la goutte. Et là, c'est quoi je... C'est Fort Boyard. C'est. J'ai plus du tout le générique de Fort Boyard. C'est pas ça? Pam 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 pam. Ah, des petits monstres et des petits coffres. Évidemment, évidemment, bien évidemment qu'on va prendre les coffres, vous le savez. Allez, bam. Et on la refait pour tout le monde. Voilà. Et on repasse avec. Allez, crève. Crève pourriture communiste. Teste-moi, déteste-moi. Voilà. Dilililim. La la la. Une médiperle. Alors soit c'est pour me soigner, vu qu'il y a médi genre médicament, soit je sais pas. Et un caillou. Et un caillou. Est-ce qu'on aime bien les cailloux? Bien sûr, on adore les cailloux. Allez, déjà vous. Toi, toi. Voilà, allez. Voilà. C'était pour le plaisir, hein, vraiment celui-là. C'est entièrement gratuit. Badabadam. Un gros marteau. Pour Zoran, ça. Ah mais du coup est-ce que je peux aller voir le gros boss? Mais je suppose que, enfin, déjà dans la première zone, je me rappelle, on avait vu un énorme dragon, sa mère, niveau 50. Je vais aller voir par curiosité, mais je pense qu'il est, il est niveau 10 000 au moins celui-là. Est-ce qu'il m'a vu? Non. Ou alors c'est un copain? Comme dans Dark Souls, là on peut lui prêter allégeance et tout. C'est ça? Est-ce que ce jeu, ce serait pas Dark Souls au final? Allez, toujours pour le plaisir de vous activer.
Hop là, un mort. Un nouveau mort. Faudrait que je pense à regarder mes équipements aussi bientôt. Parce que je me dis, ça se trouve, j'ai encore des équipements ultra forts que j'ai pas mis sur mes zouzous. Quel niveau du coup? Niveau 55. Ah bah au final, pas plus haut que l'autre. Hein. Par contre, c'est pas du tout là-bas que je dois aller, donc je vais faire demi-tour. On va aller se faire... On va aller se faire un peu le littoral et tout, et puis remonter tranquille et aller à Nautilia. Hein? Ce qui aurait pu être une rando de... Et en plus, je suis en mode éveil. Vous allez... Allez, bam, voilà. Allez, toi aussi. Voilà. Là, c'est arrivé en plein début de combat, c'était très bien, je trouve. Plume de perroquet, des florins, des trucs... Oh là là, tellement de choses. Donc, oui, apparemment, faudrait qu'on aille là. Pam pam pam. Ah bah non, du coup ça va. J'ai pas besoin de remonter trop bien. Et ben c'est parti, Nautilia. Là, par contre ma webcam vraiment elle est d'une fluidité légendaire. Ça fera partie des prochains trucs à changer ça. Hein. De micro ça va, mais à peu près, mais. Alors putain la caméra. Faudra que j'ai 100 balles à foutre dedans. Parce que là, ça commence à se voir que c'est moche. Ah, y a personne? Oh non, qui va me faire mon bateau? Moi j'ai fait Pinocchio, je m'appelle Geppetto. Et du coup il va falloir aller libérer vos ouvriers, sûrement repartir dans cette petite caverne qu'on a vue tout à l'heure. C'est vraiment Elio qui continue à faire le con. Regardez-le. Regardez-le. Est-ce que vraiment ça c'est un gardien qui est sérieux? Je vous le demande. Je vous le demande. Très bizarre par contre, j'ai l'impression qu'on n'entend pas. Si, c'est bon. On va garder ça, tiens, d'ailleurs. Alors, maintenant, il faut qu'on aille voir les gens. Alors, attendez, stack. Bon, je vais récupérer les objets qui traînent comme d'hab, surtout qu'on est dans une nouvelle zone, donc potentiellement... toi, t'es quoi ? Un alchimisme. Déjà, on va te vendre des trucs. On va te vendre un peu tout... Qu'est-ce qu'on a là, dans les équipements très très nuls, là, voilà. Ah oui, attends, tac. Voilà. Tout ça, là. Tout ça, là, qui est nul. Ça... Voilà. Allez, 1380... pareil, les arcs nuls.
Ok. Et on va t'acheter le max de Méditrèfle, déjà. Quelques machins, voilà. Wallet B, je sais pas, mais vous avez le bandeau sur les yeux si vous ne voyez pas. Équipement. Alors, là, on a dit déjà bâton, il n'y a pas mieux, voilà. L'épée longue, non. Par contre, l'épée chromée d'ardeur, objet ordre spirituel, ah bah écoute. Go, hein. Ça. Ouais, après la bague, voilà. Bague du lac, dégâts d'eau, résistance au vent. Putain, épouse-moi, j'ai pas vu le pseudo avant. J'ai pas vu le pseudo avant, j'allais dire, je vais encore devoir ban quelqu'un là, vous faites chier. Ça fait longtemps que t'es pas venu, dis donc. Ah merde. Attends. Comment il va? Attends. Ah, tu vois, j'en pleure. C'est pas du tout parce que j'ai les yeux secs, c'est vraiment parce que tu m'as. Hein? Comment il va, Béromas? Comment il va, dis-moi? Alors, collier de garde. Ah si, on va mettre celui-là. Défense et résistance magique. Les souliers UAF, il les a. Et il peut mettre, du coup, une armure en cuir. Figure-toi, je cherchais un document et je suis tombé. Eh ben, dis donc. Elle doit dater, parce qu'on s'est vu, comme on s'est vu qu'une fois en vrai, elle doit dater ta demande. Oh là là, ça va, c'est bon. Voilà, tout va très bien. Et toi, que diable? Bah écoute, franchement, pareil. Hein. Pareil. Je sais même pas pourquoi je l'équipe de trucs, lui, il sert à rien. Si, on va mettre... Je vais lui mettre la hache menaçante de clarté. Et là, on peut lui mettre l'ultra maillé du... Non, on va lui mettre une hache. Quoi. Mais écoute, ouais, tout va très bien. Tu vois, là, je suis sur une semaine où je fais vraiment mon streamer de merde. C'est-à-dire que je joue juste à Ni no Kuni. J'ai fait que ça cette semaine. Que j'ai un peu envie de streamer, mais pas trop. Donc je joue. Pour mettre le jeu en entier après sur YouTube, parce que nique les copyrights, haha. Non, pas du tout, ouais, juste chill, quoi. Chill, je suis en vacances, là, pour 15 jours, donc je me garde un peu, là, jusqu'à dimanche soir, en mode, si je veux glander, je glande, je fais R, enfin, du coup, je stream, quoi. Et après, je vais devoir bosser un petit peu mon écrit, malheureusement. Mais, ouais, ça se... Ça va, quoi, tu vois. Imhotep. Imhotep, on est sur une... Ah, viens là, toi. On est sur un début de week-end tranquille. Durant mes vacances, j'ai fini à l'hosto, ce que je ne te souhaite pas. Ah, il me semblait avoir vu ça, oui. Il me semblait avoir vu sur Insta que t'étais parti à l'hosto-hôpital. Qu'est-ce que t'as fait encore? Des cascades? Attends, et si je lui fais ma magie d'eau, du coup? Aïe! Qu'est-ce que tu t'es coupé le... J'en déduis qu'il n'y a rien de grave. T'as continué à poster des stories? Quoique... Tout pour l'influence, hein. Voilà. Même pas une petite infection. Ah putain, alors ça par contre j'avoue que c'est mon... C'est ma crainte, pas quand je suis chez moi, parce que chez moi je me coupe ou je me blesse et puis bon, basta. Mais ouais, c'est ma crainte de quand je suis pas chez moi du tout. Et que justement, ouais, je me coupe ou quoi, et là ça part en couille, et t'es là genre comment ça une septicémie, non, attendez, moi je suis en vacances là. Ouais, donc ouais, c'est un peu pourri le truc. Bon, après là ça va, moi mes vacances ici je les fais à Paris. Ah, une infection dans la gorge. Dans une ville où on ne parle ni français ni anglais. Et surtout en plus, si t'as la gorge en feu, t'es là genre... Donc même s'il parlait français, il t'aurait pas compris. Pardon. Non, est-ce qu'on peut en rigoler aujourd'hui? Oui.
Re, Dame Guermis, comment c'était ta promenade? Mais ouais, non, moi je vais rester à Paris par contre, là. Mais tu vois, là, j'ai un peu ce genre de frayeur pour septembre où je serai à Lisbonne. Et d'ailleurs, tu sais que j'ai pensé à toi. Bon, je te l'ai pas dit, mais j'ai pensé à toi. Béromas, parce que je crois qu'il me semble que c'est le pire quand tu ne sais pas expliquer. Bah ouais. Il me semble que t'étais parti en Italie manger la mozzarella et que tu faisais des vannes sur le fait que t'étais sur Duolingo pour apprendre l'italien et qu'au final, bah, comme à peu près tout le monde hein, sur Duolingo. Je connais l'hôpital de Venise, Marc. L'Aspitalia de Venice. Ma che? Mamma mia, non? Oui, tout ça pour dire, en gros, voilà, t'étais un peu sur Duolingo, machin et tout. Et là, du coup, je pars à Lisbonne en septembre. Je pars 3-4 jours avec une pote. Et j'ai pensé à toi, je me suis dit, vas-y, je me mets sur Duolingo. Du coup, je fais du portugais sur Duolingo tous les jours. Une à deux fois par jour, voilà. Et merci pour le follow, Davy Aurelias. Par contre, Stream Elements, t'as pas pris en compte, alors est-ce qu'on est sur un... Est-ce qu'on est juste sur un follow bot à la con? C'est une très bonne question. Manifestez-vous dans le chat. Pour qu'on sache si vous êtes des vrais gens. Bientôt le guide des hôpitaux, c'est ça. Sur le lieu de vacances. Exactement. Bah oui, non, ça marche. Ah, attendez. Attendez. Je vais juste bouger cette merde. Parce que quoi qu'il arrive, c'est visuellement pas très beau. Last follow. Voilà. Ouais. Non, mais ce serait marrant. Ce serait marrant, ouais. Au moins d'apprendre à dire que t'as mal à la gorge, du coup, en pas français, quoi. En pas français. Qu'est-ce que t'as vu de beau, du coup, pendant ta balade, Dame Guermis? Et d'ailleurs, tu repars en vacances, après Béromas, ou pas? Oh, mais... Cassez-vous! On va garder la meilleure épée, par contre. Non, le drame. Ah putain. Après, tu me diras, j'ai mes premières vacances du mois, j'ai quand même eu droit à un Covid qui m'a pourri la vie. Et comme j'ai déclaré mon arrêt maladie un peu tard, parce que je savais pas qu'on pouvait le faire comme ça sur le site web d'Amélie.fr, et bah du coup, j'ai pas pu récupérer tous mes jours de congé. J'ai juste pu gratter qu'un seul jour de congé à reposer, que j'ai posé là, bah, dimanche, du coup. Qui aurait dû être mon dernier jour, mais j'étais là genre... Non. Donc on m'aurait envoyé bosser à un endroit où j'ai pas envie de bosser, et c'est un nom. Je suis parti en balade géocaching. Ah oui, c'est vrai que tu fais ça aussi. À vélo. Bah écoute, et t'as trouvé des trucs? T'as trouvé des géocaches? Ou t'as géo caché. Comme géo trouve tout, mais tu caches. Du coup, c'est géo cache tout. Les jours de vacances récup. Hein. Ouais. Bah, en vrai, c'est chez nous, c'est le cas. D'ailleurs, fun fact, parce que j'avais deux jours en fait d'arrêt maladie pendant mes vacances. Je pose la question, je dis au fait, comment je les récupère? Et là, on me dit, ah bah non, du coup, tu peux pas et tout. Je fais, ok, chelou. Chelou, parce que vous choisissez pas d'être malade hein, pendant les vacances. Je vérifie ma convention collective, je me fais un petit moment syndicaliste qui me dit que si, normalement, ça passe. Et du coup, je recontacte la personne qui m'a dit non. Pour lui dire, par contre, pourquoi je l'ai lu ça. Et qui a fini par me dire, ah si, en fait, ah si, t'as bien fait de me rappeler. Rien trouvé car j'ai oublié de prendre les... Ah bah oui, du coup, c'était une balade, en fait. Effectivement, c'est vrai que dans le géocaching, si t'oublies les indices, dans une chasse au trésor sans indices, c'est compliqué. Et tu as eu droit au tracteur à contresens dans le... Oh, dans le rond-point. Ah, bah,
Bah c'est super ça. Et vous risquez votre vie tous les jours. Alors merde, du coup j'ai pas lu les dialogues. Qu'est-ce qu'il faut que j'aille voir? Je pense qu'il faut que j'aille voir la stèle menaçante dans cette grotte menaçante. Attendez, mais il y a des gens là. Et moi je dis qu'il y a une grosse araignée à battre. Blimey! Oh bah blimey, hein! J'ai pris note des indices. Bah oui, c'est cool. Je vais continuer à clean ma maison. Je t'embrasse fort. Bah écoute, je t'embrasse très fort aussi. Bisous à tout le monde, bisous à toute la petite famille, évidemment. Notamment à ton fils, le chat, hein? Si je dis pas de conneries. Bon nettoyage, Béroma, ça m'a fait plaisir de te voir passer des bisous. Hein. Donc oui, t'as pris note. Ah mais d'accord, dans le géocache, tu peux quand même aller dans les lieux, trouver des trucs qui sont des indices et les noter. Je transmets à mon fils. Bah oui. Oh mon dieu, pardon, en parlant de fils, moi j'ai ma fille là qui est à côté. Elle est adorable, mais je peux pas vous la montrer évidemment parce que... Pas de caméra. Faudrait que je prévoie une 4 cam, tu sais. Pour plus tard, quand j'aurai mon nouveau téléphone là et que tout sera bien arrivé. Que j'ai juste une caméra qui les filme. Et que qu'on puisse activer ou non. Ce serait marrant. Non, ou y'a que moi qui trouve ça marrant. dans le cas de cette cache-ci, d'accord. Aïe! Aïe! Voilà, oh 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 wow, 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 gars! Respire, peace and love, cool, cool. Allez. Ah là, il fait des lasers là, oh 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 oh. Putain, mais c'est quoi, c'est oh. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Qu'est-ce que c'est que ce machin là? J'ai pas de... Ah, j'ai des mousses là, j'ai des mousses. Merde. En plus, ces mousses là, ils sont... Merde! Attendez, ils vont se relever, eux. Allez-y. Bon, du coup, on a battu le boss, clairement. On n'est pas... Merde. Aïe, 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 oh là, j'ai un peu fait le kéké, là, il lui reste 3 points de vie, mais c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc ouais, dans le cas de cette cache-ci, tu... d'accord. Après, c'est vrai que j'en ai jamais fait, non, j'ai jamais fait de jeu caching, j'avais voulu à un moment en faire au boulot et avec mes jeunes, mais les jeunes en avaient rien à foutre, donc... on l'a pas fait. Et c'est que moi tout seul j'en ai pas fait, mais pour moi ouais c'était des indices que t'avais via une appli de géocache et tout, mais c'est cool du coup. C'est franchement c'est un truc je pense que je ferai un jour ça, avec des gens qui connaissent ou qui connaissent pas, mais c'est cool. Dans tous les cas au moins ça te fait une bonne balade. Si ce n'est le tracteur du coup. All right. Allez on rentre. Est-ce que vous me téléportez à la... Non, vous ne téléportez pas à la ville évidemment. Une armure en os antigel. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui. Et du coup, hop. Voilà. Je continue à équiper Zoran hein, des fois, mais Zoran vraiment, je m'en suis toujours pas servi et j'ai toujours pas envie de l'avoir dans mon équipe. Donc il est là depuis le début du jeu. Il a été utile une fois, Zoran, quand il était dans un combat obligatoire. Gauche. Bah, en vrai, si un jour tu viens à Paris et qu'on a le time, franchement, ouais. Ouais, ouais. Ou si un jour je viens en Belgique. Ça, la Belgique, j'avoue que c'est un truc où... C'est un truc sympa, la Belgique. Non, c'est un endroit où j'aimerais bien aller, justement. Béromas aussi en vient. Et ça fait longtemps que je voulais revoir... Béromas, du coup.
Mais le truc c'est que pour aller en Belgique, ça coûte si cher que bah en fait, enfin par rapport à mon budget ça coûte assez cher et donc c'est pas des trucs faisables sur un coup de tête quoi, c'est trop chiant. Alors que vous êtes vraiment à côté quoi, c'est bon. Alors, un bâton de sorcier. Papapapam. Bah voilà, on en fait des bagarres. On est niveau combien maintenant? Niveau 20, 29 hein. Bon, sauf Shanti, mais... Après, en vrai... Je peux juste... faire ça. Voilà. On va faire ça. On va faire ça. Ça fait quand même presque 4 heures que je joue. Là, je commence à... fatiguer un petit peu. Là, je commence à me dire... Ah, il y a des trucs un peu répétitifs dans ce jeu. Mais on en est quand même à 12 heures de jeu, là, presque. Donc, ça va. Alors... Pouah, tout s'explique. Allez, je commence à avoir mal aux oreilles. Alors, il va vous falloir combien de rondins de bois? Il faudrait du bois dur comme l'acier. Bah voilà. Je suis déjà venu au moins... Ah ouais? Moi, j'avoue que j'ai jamais fait la Belgique. T'es venu pour le boulot ou pour perso? Ouais, non, je sais que si je vais en Belgique, ouais, voilà, Béromas, il y a moyen que je squatte là-bas ou quoi, et donc que ce soit pas trop onéreux, mais il faut que je prévoie le week-end bien en avance. Avec mes horaires, je peux prévoir mes week-ends au max 2 mois avant, ce qui est déjà beaucoup. Alors, demandez à Maître Nir dans la salle du trône s'il connaît un bois dur comme l'acier. Mais vous avez pas des téléphones portables? Vous voulez pas appeler Maître Nir hein? C'est chiant. Yep. Ok. D'accord. Je pensais que tu allais me donner une quête, je sais pas pourquoi. Ok, il n'y a pas d'objet. Il y a encore un objet. Ah, ça m'énerve. Voilà. T'en as. On a un reflet chelou là qui traîne sur l'eau. Un petit rectangle. Ah non, c'est la fenêtre. D'accord. Non. Moi, je suis là pour triquiter. Hein. Est-ce qu'il y a des trucs là-haut aussi? Attends. Parce qu'en fait, tout à l'heure, je suis même pas monté pour voir. Ah, il y a un objet. Ça, c'est très important. Un caillou. Hein. On se rappelle des cailloux qui permettent de gagner des bonbons dans la forêt des mousses. Une sève acre. Là, trop bien. Mais ouais, non, Belgique, mais ça fait partie des destinations un jour. Comme c'est pas trop loin de Paris, c'est pas non plus trop cher. Donc ça peut s'organiser, quoi. Ça peut s'organiser un jour. Et évidemment, si je pars en Belgique, je t'envoie un petit DM pour te dire. Bon, du coup... Ah, oh, ils ont des mousses ici aussi, c'est trop chou. Du coup, on va aller voir Nir. Pareil, on va se téléporter. Hein, parce que je vais pas faire tout le trajet à pied avec des monstres de niveau 5 là. Deux fois à titre privé, j'avais trop. Putain, t'as trouvé un logement. Ouah, ça devait te coûter une blinde. Parce que ouais, Pompidou, c'est joli, hein. C'est très bien hein, le secteur, mais. Waouh quoi. Et après une fois vient un team building, d'accord. Ah ouais, nous il y a la team mais il n'y a pas le building quoi. Donc c'est un peu compliqué. Ah bah toi je peux te monter de niveau, allez. À quoi tu vas ressembler? D'accord, t'as rajouté des lances devant.
Eh ben allez, récompense de bataille. Voilà, on va faire une recherche, comme ça on a deux recherches en même temps. Et Nir, il est là-dedans. Mais ouais, non, non, c'est prévu, quoi. C'est prévu de... Un jour, mais ça fait déjà un an ou deux que je dis ça. Il y avait eu le Covid, d'ailleurs. Il y a eu le Covid entre-temps, donc clairement, ça a annulé l'intégralité de tous les projets qu'il y avait. Et même là, déjà, tu vois, le Portugal, pour dire, ça doit faire presque 7 ans que je suis pas parti à l'étranger. Faut encore battre un boss. Je me souviens plus. Ouais, quartier théâtre. Ah bah oui, en plus. Ouais, c'est. Enfin, peut-être qu'à l'époque, y avait, comme il n'y avait pas Airbnb, machin et tout, il y avait moins la guerre des logements, je suppose. Enfin, je... Mais intramuros, ouais. À un moment, j'avais voulu faire ce truc de bobo parisien. Tu sais, c'est de. Tu loues une chambre d'hôtel ou un Airbnb dans ta propre ville. Juste pour pas être chez toi, machin. Bon, c'est un truc de riche déjà, parce que quand tu te payes une chambre, tu évidemment en général dans une autre ville pour visiter l'autre ville, quoi. J'avais quand même voulu le faire dans Paris, et c'est vraiment juste histoire de te dire, tu te prends un truc tout frais payé, et voilà, quoi. Et ouais, c'était, t'en avais pour 100 balles la nuit. Et moi, j'étais genre, bah en fait, gars. Enfin, si je veux mettre 100 balles dans une nuit d'hôtel ou d'Airbnb, je vais à l'étranger, justement. Mais oui, du coup, voilà. Celui-là, il y a une connaissance, ouais. Là, je vois le Portugal, hein, j'en ai eu pour 200 balles, hein, quand même. Avion, un peu plus, même 300 presque. Donc, bon. Merde, c'est là-bas. C'est là-dedans. Oh, là-dedans, il y a juste... Ok. Un bonbon. Ah, on obtient quand même des bonbons, dit. C'est pas The Witcher, on peut pas sauter sur tous les cailloux. Allez, on va utiliser le spray anti-pique. C'est des sacrés châtaignes, hein, quand même. Hein. Ouais, donc Paris, si tu viens, c'est ça. Ou alors, faut connaître les petites villes de proche banlieue qui coûtent pas cher, genre Ivry. Ivry-sur-Seine, tu prends. T'as un hôtel Ibis ou F1 à Ivry. T'es littéralement à côté de Paris, sauf que tu payes trois fois moins cher ta nuit. Avec un métro, un tram et tout. Alors, attends. Faut qu'on me bagarre quand même. Mais ouais, Belgique, destination, quoi, de pour plus tard, un jour. Allez, bam, bam, voilà. Ok. Et voilà. Voilà, voilà. On a eu tout le monde. Alors, on va faire les petits... Le réseau de métro, ouais. Bah, surtout... Bon, là, il est en travaux. Là, j'ai un gros somme, d'ailleurs. Parce que le métro qui est à côté de chez moi, qui me permet d'aller en 20 minutes à Châtelet, qui est pas mal, qui est la ligne 14. Enfin, qui est à côté. Façon de parler, mais c'est... C'est assez accessible. C'est une purge parce que du coup là pendant tout le mois d'août il va être fermé pour travaux. Donc voilà quoi. Relou. Je m'en sers pas quotidiennement heureusement, mais j'imagine les personnes qui s'en servent au quotidien là c'est bus et tout. Enfin voilà. Et oui non c'est pas adapté aux personnes. Tout à fait. On a il me semble que c'est deux arrêts. Deux ou trois arrêts de métro qui sont accessibles aux personnes handicapées.
Ah non, Paris, Paris pour le handicap, c'est de la merde. Donc, y a pas mal d'endroits où t'as un coup, le trottoir il est adapté pour la personne PMR ou les personnes aveugles et tout. Puis 20 mètres plus loin dans le même quartier, ça l'est plus. C'est. Il est vraiment merdique pour ça, quoi. Et tu payes 75 balles par mois. C'est chaud. Puis bah, pour les personnes sourdes, oui, il n'y a pas d'annonce, très peu d'annonces textuelles. Il n'y en a pas du tout dans le métro. Après, bon, enfin, c'est-à-dire, heureusement, mais oui, enfin, en vrai, heureusement, vu la qualité du truc, quand t'as une reconnaissance par la MDPH, tu peux avoir ton Navigo gratuit, mais bon, voilà, quoi. Sinon, effectivement, c'est 75 balles par mois pour rien. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à frauder, par exemple, le métro. Toujours des bons conseils, évidemment, en stream. N'hésitez pas à sauter par-dessus les portiques car vous ne leur devez rien. Voilà. Mais équipez-vous de bonnes baskets pour courir un peu vite si besoin. Première fois que je suis allé à Paris, on m'a appris à frôner. Alors, objet de valeur, la partition numéro 14. Eh ben dis donc, bah alors ça, si c'est pas trop bien, on a obtenu la partition numéro 14. On n'a pas les 13 premières, mais on a la 14e. Et ça, je pense que c'est un peu ce que tout le monde attendait sur ce stream. Oh, putain. Ah, un coffre, trop bien. Est-ce que c'est la partition numéro 13? Et non, c'est une tunique brillante du savoir. Ah ben, je peux l'équiper sur Shanti. Et du coup, lui, je vais lui donner celle-là. Au cas où. Vraiment, Zoran, c'est vraiment au cas où je suis encore obligé de l'utiliser à un moment, quoi. Je lui mets des équipements, sinon... je veux pas du monsieur moustachu dans mon équipe. Je suis désolé. Oh là là, mais c'est un labyrinthe, par contre, cette zone-là. C'est cool, hein, je récupère des objets, mais c'est... Elle est chiante. Des champignons sûrs, des champignons luisants, super. Là, on y a déjà été, du coup. Ben on en vient de là, non? En plus, faut que j'aille là-bas, moi. Alors, est-ce que je monte là? Ouais. On va monter là. Quand j'étais ado, j'avais une connaissance qui a calculé que ça nous coûtait moins cher de frauder. Ah bah oui, bien sûr! Ah bah oui. Ah non, mais pareil, oui. Et alors, encore plus quand t'es sur le... Notamment la ligne de tram. Moi, le tramway, je le prends deux fois par jour. Quand je travaille, du coup. Je me fais contrôler tous les 1,5 mois. Et l'amende, je crois que c'est genre 35 ou 50 euros. Dans le métro, un peu plus. J'ai eu un peu plus de contrôle quand je prenais le métro. Mais après, je le prends pas très, très... souvent. Donc ça reste... Mais ils contrôlent un peu plus dans le métro, ouais. Mais dans le tram, enfin moi le... Non, non, le chat, non, non, tu vas encore faire tes griffes, là. Le tram, ouais. Ah, on arrive au boss! Mais ouais, le tram... quand j'oublie mon Navigo, vraiment, je retourne pas chez moi pour prendre mon Navigo. Je frotte. Parce que je sais que je suis quasiment sûr de ne pas me faire contrôler, quoi. Mais ouais, ça a augmenté. Il y a un système d'augmentation du prix. Ouais. Ah! Oh, peut-être qu'en France, je pense qu'il doit avoir un petit dossier au bout d'un moment. Hein. Bonjour le monstre. Alors, il faut qu'on tue ça. Ok. Kang, Garogori. Excellente chanson. Pas du tout. De Brassens. Allez, bababababam. Voilà. Ok, très bien. Eh ben, on va le fumer.
Oh là 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 là. Ce combat est absolument inégal. Voilà. Ah. Est-ce qu'il est censé faire sa phase 2 du coup là? Voilà, c'est bon. Le combat de boss le plus nul de l'histoire. Mais ouais, je crois qu'il y a peut-être de l'augmentation aussi si tu récidives. Je pense que tu dois finir par être connu et tout. Mais nous, l'amende, elle dépend de si t'as pris un ticket ou si tu l'as pas pris, de si ton ticket est périmé, de si ton ticket n'est pas au bon tarif. Genre, tu prends un billet tarif réduit. Alors que t'as pas droit au tarif réduit, c'est 35€ d'amende, il me semble. Moi, ce que j'aime pas, c'est le côté quand t'as les tickets à Paris, surtout quand t'as les tickets, c'est devoir le garder dans la poche en permanence, en cas de contrôle. Et tu finis très vite par mélanger les tickets que t'as compostés et ceux que t'as pas compostés. Et notamment quand tu prends le RER, bah en fait, moi, quand j'avais pris le RER à Paris, anecdote très drôle. C'est à nouveau, on est là pour raconter des anecdotes, pas pour jouer à un jeu. J'avais pris le RER sans savoir qu'en fait, pour sortir du RER, il faut réutiliser ton ticket. Parce qu'en fait, c'est pas indiqué, clairement, que... Allez, on se fait le petit groupe, là. C'est pas indiqué, clairement. Et un de mes premiers voyages à Paris, je me rappelle que j'arrive à Gare de Lyon en RER. J'avais jeté mon ticket, et j'ai dû frauder, en fait, derrière quelqu'un. J'ai collé quelqu'un avec ma valise et tout, pour rentrer, parce que, bah, en fait, de toute façon, je... Tu peux même pas genre racheter un ticket pour le composter et tout. Non, c'est... Bah t'es bloqué quoi. Si t'as jeté ton ticket. Et plein de membres de ma famille quand ils vont à Paris, ils gardent pas leur ticket quand ils prennent le métro et tout. Ils le roulent en boule et du coup bah... C'est pas contrôlable et tout et... Ils pourraient se prendre des amendes. Oui j'aime bien sauter hein. Oui. Je sais pas pourquoi je saute, parce qu'en plus... Ah, j'ai même pas tout fait. Elle est longue, hein, cette... Ah, mais attends, on a une quête annexe, là. On va aller faire... Oh, je vais avancer. On va aller faire la... On va aller juste activer la quête. Qui est... Par là-bas. Ah, mais elle est à côté de l'entrée, oui. Attends. Là. C'est pas toi, c'est toi. Oui. Edith. Oui. Ah et non, je la connais pas. Ah ben, on va aller la chercher. Dans la forêt, je sais pas. Pour l'anecdote, j'ai fraudé et des cons... Et t'as eu une amende du coup? Ah bah il faut aller dans la forêt aux mousses, c'est là où on était tout à l'heure. Bah allez hein. Entrée. En mode voyage, attention les filles. Ah merde. Après dans un pays où je parle pas la langue, peut-être que je frauderai pas. C'est un risque. Alors, on va aller voilà dans la forêt aux mousses. Bon, j'ai bien fait de visiter tout à l'heure la forêt aux mousses. Ça me fait gagner du temps là. Mais merde, t'avais payé cher, tu te rappelles? Fais pas attention au mec torse nu. C'est un mousse. C'est un mec qui donne des bonbons. J'avais gardé pile le montant nécessaire pour le ticket. Ah oui, en plus, oui, parce qu'en plus, oui, c'est ça, t'as la monnaie locale. Oh là là, ah oui, quel enfer. Tu peux pas payer comme ça.
par carte et tout, genre payer une amende, hop, ils te sortent le TPE et puis basta. TPE qui marche un coup sur deux d'ailleurs, ce qui est très honteux parce qu'en France, si ça marche pas, même si c'est pas de ta faute, hein, parce que ça c'est possible aussi, et bah t'as une majoration quand même, parce que t'as pas pu payer dans le train. Moi je mettais dans le train à une époque, je le fraudais beaucoup. Et quand je payais des amendes, c'était un enfer quoi. J'essayais de batailler en mode, bah en fait, si ça passe pas, genre je leur montrais mon compte en banque, genre j'ai les sous, donc je devrais pouvoir payer. Mais là par contre, ça passe pas. Et le mec il dit, ouais, mais il n'y a pas trop de réseau, du coup, faudra payer plus tard, ce sera 10 euros de plus. Et ben non. Ben non, ce sera pas 10 euros de plus, ce sera le même prix, monsieur. Arrêtez. Alors, il est là son alpa machin là. Et il est là-bas. Ah, c'est vachement plus simple hein, quand on est trop fort pour les ennemis, ils nous font pas chier. On n'avait pas le temps d'attendre. Ouais bah oui, forcément. Non mais en plus ça t'arrive toujours au pire moment. Hein. C'est toujours, toujours quand on a pas besoin. Eh bien écoute, on va aller à Espérance. Allez, un villageois de plus. Il nous reste encore 6 villageois avant de passer niveau 2. Ouais, mais c'est pire truc, quoi. Alors, sur ce, on va aller à Nautilia, et puis voilà, tout sera bien pour finir. Là, moi je vais me refaire à manger, je vais juste faire réchauffer ce que j'ai au frigo. Là j'ai tellement de bouffe que j'ai pas besoin de me faire à manger, c'est cool. J'hésite à me faire un gâteau mais j'ai un peu la flemme. Mais ouais non, bah là chez Calisbonne, il y a le téléphérique si besoin et tout machin. Ah, on va frauder que dalle. On va frauder Frodax Zeros. On n'avait pas assez. Ah oui, le double. Evan had found himself the finest boat builders in all the land, and some timber worthy of their expert attention. Le double quoi, putain. Ah ouais, c'est même pas une majoration de 10% là. Ils doivent pas frauder souvent, oui. And before long, a magnificent vessel that no wave could hope to topple was all but ready. Du coup, on a signé un papier en haut. Oui, pareil, est-ce que t'as le choix? C'est-à-dire, faut pas faire ça, mais est-ce que t'as le choix? Moi, je signerai pas un papier dans une langue que je connais pas. Et on est parti, ouais. Après, en même temps, s'ils ont pas, genre, gardé ton identité, ton adresse, machin, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ouais, t'as jamais payé. Oui, c'est ça, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent en fait? Tu sais même pas, ça se trouve, tu sais même pas ce que t'as signé. T'as des cas comme ça où tu t'en sors. On a vu avec des potes, pareil, on devait partir à un moment en séjour, je crois, genre en Allemagne ou quoi. Et on devait partir en bagnole, s'arrêter un peu avant la frontière, donc dormir une nuit dans un hôtel et filer en Allemagne. Et ça s'était pas fait. Et la personne qui avait fait la réservation de l'hôtel, en gros, appelle l'hôtel de base en disant « Bah désolé, on viendra pas. » 15 jours avant, je crois. Le mec en mode « Ouais, vous allez payer et tout, je vais vous débiter quand même. » Et le gars était là genre « Oui, mais en fait, vous avez que mon nom et mon prénom. Et vous avez pas mon numéro de CB ni mon RIB. » Donc en fait, le mec, il avait un nom très commun, tu vois, genre Jean-Luc Dupont. Et était là genre « Bah, t'es comme moi, il y en a beaucoup. Dans ma vie, il y en a beaucoup. » Vous comptez nous faire payer comment? Puis du coup, il a juste annulé. Il y a quand même un service, en tout cas, toi, il y a la RATP hongroise qui a ton identité. Qui a ton identité. Donc si jamais tu retournes en Hongrie et que tu fraudes, tu te fais défoncer. Comment il sait tout ça, Roland? Ah oui, il a lu, oui, parce que... Écoute, Dame Guermis, maintenant qu'on sait que t'es un hors-la-loi en Hongrie, ça va être compliqué, quoi. Je sais pas si on... Moi, je garderai le secret, hein, c'est pas public. Mais... Pourquoi il est en slip? Attends, j'avais pas vu, il est en slip, le mec.
Qu'est-ce qu'il fait? C'est une tenue locale? J'ai pas vu. Il était en slip depuis le début. Il était... Bah, monsieur. Ok. Et donc là, je peux... Dans le mode voyage, il est possible de vous déplacer parfois sur des rivières. Cela vous permettra d'atteindre des terres et des îles. Hein. Il est cependant impossible de descendre au niveau d'une falaise. Ouais. Mon amende est juste perdue. Bah ouais, ouais, j'imagine. Ils doivent se dire, ah, you remember Dame Garmis? You remember the guy, tu l'avais fait sign un paper. Voilà. D'accord, ok. Déplacer le bateau et débarquer. Et si on fait un combat, ça ressemble à quoi? Attends, déjà il y a un objet là. Un poisson. Comment, à quoi il ressemble le combat? Tout le monde est sur le pont? Le monstre il vient avec nous là? Oui? Ah bah oui. Je disais c'est bon mais par rapport à un truc de ici. Ok bah on a le bateau. J'ai gardé le document, bah tu peux, encadre-le, hein, mets-le dans tes... Mets-le... Si tu l'as, voilà, faut qu'il soit dans tes chiottes. Et du coup, juste... D'accord. Ok. Et du coup, là, je peux m'esquiver les combats ou pas? Mais écoute, on va aller, on va débarquer à Selakan et puis voilà. Oh, la distance d'affichage est pas dégueu non plus, hein. C'est le One Piece. Eh ben, on va débarquer à Selakan et puis ça. Ouh, et qu'est-ce qui se passe si je vais là? Je peux? Ah, je peux pas. Oh, ça va, ça va. Si on peut pas rigoler. Donc, ah, c'est là? C'est bah, d'accord. Ok, ok. Eh ben, non, maintenant c'est cool, on a le bateau, donc déjà on peut se balader beaucoup plus dans les rivières et tout. Je le mets dans mes toilettes et je dis à mes visiteurs que je suis repris de justice en Hongrie. Mais exactement, faut faire ça. Voilà, tu t'inventes des trucs. Ou si tu dates et que tu ramènes quelqu'un chez toi, si jamais tu fais ça, ouais, t'inventes une grande histoire. Ouais, j'ai un passé sombre en Hongrie. Oula, il y a un gros œil dans la ville. Mais ouais, j'ai un passé sombre, j'étais trafiquant de choses. Le pirate ne supporte pas les bateaux. Mais il y a moyen de faire des trucs avec ce document. Eh ben écoute, si on lui apportait un canon, on va lui amener un poisson. On lui amène un poisson, un de ses habitants morts. Alors regardez. Je sais pas si c'est ce qu'ils whisper. Hésite. Without you, our nation would be nothing, Your Majesty. I, above all others, know this. But the people cannot know this. Foreign powers cannot know this. If they did. If they did? Then your life would be in danger. Malign forces would plot your downfall. C'est une relation bottom-top qu'ils ont. So I put myself forward. If the people see me, deal with me, they can... So all that you do for your queen. You would give your life for her without a moment's hesitation, yes? En plus, je dois 30 000 forains. Ah bah, j'imagine, je sais pas ce que ça fait en euros, mais... Mais c'est pour ça que tu bosses dans le dev.
peut-être pour gagner plein d'argent au cas où un jour ça te tombe dessus. Pendant 10 ans, tu reçois un courrier en hongrois. Qui te dit bon, vous nous devez beaucoup plus au final. 300 000. À un moment, il y a une ship, il y a un ship à faire là. Alors, navire étranger, ok. 74 euros, mais c'est le prix d'un Navigo. Personne ne doit enfreindre les règles. D'accord, mais c'est good. C'est quoi les règles? Est-ce que vous voulez pas me donner les règles avant de me dire que je les ai enfreint? Justement, c'est comme Dame Guermy, il savait pas qu'il avait pas le droit de frauder. Est-ce qu'on va se retrouver en prison? Ok, ok. Ok, ok, c'est ok, c'est bat. C'est in. Il y a des trucs à trouver là. Des objets. Un magnifique sapin. Ok. Non mais c'est bien. On a toute cette nouvelle ville à explorer avec une nouvelle reine, nouvelle histoire, etc. Je vais pas avancer plus, j'ai déjà bien avancé et là je commence à atteindre le stade où j'ai envie de skip tous les dialogues, donc c'est un non. Et en plus on a un caillou, donc ouais, on va s'arrêter là. Est-ce que je peux sauvegarder? Je vais sauvegarder, voilà. On va sauvegarder, on va couper la PlayStation puisque du coup on aura joué. Oh putain, oh la vache, 3 heures? Non, là on est à 3 heures déjà. Ah, 4 heures. 4 heures de jeu, c'est très bien. 4 heures de jeu, c'est très très bueno en termes de. Hein? Voilà, en termes de jeu. Paf, paf, paf. Vu l'heure, ça me laissera le temps de me faire réchauffer mon plat, de manger devant un film. Une idée de ce que je vais regarder, mais sachez que je vais le regarder. En tout cas, bah écoute, voilà, c'était une petite semaine de stream JV, clairement, hein, c'était ça. Je sais que c'est pas les plus passionnants, pas même moi, c'est pas les streams qui m'intéressent le plus, mais voilà, comme il y a le long play, je voilà. Et ça, tiens, bah, c'est bon, d'ailleurs, l'autre vidéo s'est mise en ligne. Je vais continuer, mais ouais, je remettrai d'autres streams un peu comme on avait avant. Voilà, les streams sur les actus, communauté sourde, culture sourde, un peu de cuisine, je pense, dans la semaine prochaine ou dans deux semaines, là, pendant les vacances. Un peu de stream où on va sous-titrer les vidéos de la vidéo avec Emmanuel et tout. Voilà, je vais essayer de varier les plaisirs. Là, sur ce, moi, je vais aller me faire à manger. Mater sûrement un film. Je sais pas. Peut-être mater un film, dégourdir les jambes un peu. Enfin, m'étirer dans ma chambre. Dans ma chambre, même dans mon appart. Et voilà. Voilà, voilà. Écoute, en tout cas, c'était cool. En plus, t'es venu au début. T'as eu le temps de te balader, de revenir. Hop là, voilà. Donc chouettos. Merci en tout cas d'être passé, comme toujours. Et puis, bah écoute, à bientôt. Voilà. Ça y est, c'est la fin. Bonne soirée à toi. Ciao, ciao. With the crew up on Backstreet out. Oh, we love that sound, yeah. We're waiting for a moment. And we all said, yeah, we all said we leave this town. 2 a.m. we're back downtown again. Running with the bass too loud. Oh, we might go and run our mile.